Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. N'allez plus demander les demandes, c'est la belle-sœur d'un ministre. Elle ne veut pas l'amitié avec vous. Arrivez avec qui dans son imposque, bonjour la copine de Tata. Elle ne veut pas d'amitié avec vous. Vous n'aimez pas me voir avec une personne. Comment on dit que la baisse des millions, vous voyez que c'est les millions, ou c'est les millions qu'elle me donne ou non. Moi, je ne fais pas l'amitié des gens par intérêt. Moi, mes amitiés sont normales, comme tout le monde. Je ne fais pas les amitiés que vous, parce que quelqu'un va me donner de l'argent. Non. Les amitiés sont sincères. Donc, laissez mon ami. J'ai entendu notre sale fille là commencer à clasher mon ami. Vous n'avez pas honte. Donc, je dois perdre les amis. Une fois qu'il marche avec moi, ça devient le sabotage. Vous parlez mal d'elle. Comportez-vous un peu. Elle n'est pas obligée de parler avec vous. Elle n'est pas obligée d'être votre amie. Elle n'a pas demandé d'être la belle-sœur du ministre. Et jamais elle a dit ça quelque part. C'est moi qui vais vous dire que c'est la belle-sœur du ministre. Et moi, je fais l'acte à la cour de ma copine. Le problème, c'est quoi? Vous entrez dans son binocoro, elle n'a même pas honte, elle suit qui va me dire. Ça fait quoi? Ah, les Camerounais, vous avez des problèmes. Hein? Vous n'avez pas honte, elle suit qui va me dire. Nanani, nanana, c'est votre problème. Okay, c'est grave. Hein? Ils vont bien interdire à vous faire l'amour avec les filles bambliques. Ou les bambliques, elles font l'amour avec les gars bêtis. C'est trop, vous exagérez un peu. Arrêtez un peu vos bêtises là. Vous avez assez fort, vous avez assez vu. Vous partez classique quand vous ne connaissez pas. Elle va vous battre avec les mains. Hein. C'est pas les gens qu'on parle. Elle va vous battre. Parce qu'elle est forte. Elle va vous arrêter les mains. Quand vous êtes descendu au Cameroun, elle va vous battre avec les mains. C'est avec les mains que vous allez finir. Je serai avec. Je vais pas séparer. Laisse-moi arrêter son sac. Et que ma peau tape. Et si tu vois que tu es trop fort, tire ton pied, casse. C'est quoi? Vous partez maintenant cacher pour ce que vous ne connaissez pas, vous la cachez pour rien. Vous avez entendu que c'est la baisse du ministre. Vous avez maintenant aussi qu'elle est la baisse du ministre. La jalousie va pouvoir vous tuer. Moi, je marche pas avec la racaille. Regardez-moi celle-là. Elle met le mec. Je vais vous apprendre à faire le make-up. Tu as vu comment elle suit mes copines. Hein? Quand vous aimez, vous venez imiter dans ta loi et le make-up. Vous partez aussi faire le make-up des même les morts maquillent mieux les morts que vous. Vous ne pouvez pas effrayer dans les réseaux sociaux. Les frères puis les gens. C'est quoi ça? La seule héritière que maman Guéa a laissé s'il a dehors pour le mec comme c'est moi. Je suis la seule héritière de maman Guéa. En dehors de moi, il n'y a personne. Elle va aussi attendre qu'elle se mette comme. Vous m'avez parlé? Ouh, il faut voir comment elles sont laides. Maman, même pour faire le mec comme là, il faut avoir un joli visage que ça donne avec toi. Ça ne donne pas avec tout le monde. Il faut avoir un joli visage. Vous avez compris? Bande des filles, les filles que la bourse n'est pas encore quittée sur eux. Elles, malgré qu'elles sont en bain, qu'elles ont pris l'avion, elles ont voyagé avec toutes les bourses sur eux, elles ont amené ces amis. Hein? Mercedes Mbala, c'est ma copine. Non, Mercedes Mbala, c'est pas la baisse du ministre. La baisse du ministre, c'est Justine Gono. Le nom vous dépend, ne confond pas. La baisse du ministre, c'est Justine Gono. Mercedes Mbala, c'est ma copine. C'est ma yam sœur. On se connaît depuis très longtemps. Eh, ma sister, la même quoi, tu es là, bonsoir. Je te dis qu'elle a la belle machine là. Dès que je vois là sur les filles, dès qu'elle me voit avec quelqu'un, elle commence à être folle. Hein. Mais c'est terrible. Hein. Dès qu'elle me voit avec une personne, maman, je n'espère pas, encore même de mes relations là sur Facebook. C'est quoi avec vous? Laissez-moi tranquille, si je clash même encore, je fume même les clashs. Marie, ça vous m'insultez, vous dites, moi je ne réponds même plus à personne. Je dis que je ne suis plus dans ça, ça me fatigue. Je vous ai dit même, c'est comment? Hey mon frère, vous l'avez bien aidé à vos gars. L'autre a dit que oh, elle n'est pas heureuse. Moi, je ne suis pas heureuse. J'ai dit que présentez vos maris, on va leur bouiller. Et ce qui est sûr, c'est ça. On va bouiller vos gars. Parce que c'est vous qui poussez souvent les femmes à aller bouiller vos gars. Parce que vos longues bouches là, vos sonnantes là, ça sort trop. Ok. Regarde le poil, comment. Maman, l'anniversaire. N'oubliez pas mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 10 octobre, la semaine prochaine. Moi, je veux les cadeaux des étoiles. Ria, Orange Money, PayPal. Les Romains venaient quand même donner le cadeau à votre star. Cette année, si je ne voyage pas, l'année dernière, j'étais à Dubaï. Anniversaire 5 étoiles. Maman, l'année si, nous avons dépensé au moins plus de 10 000 euros l'année dernière. Donnez-moi l'argent là. Je ne veux plus les histoires. Cette fois-ci, je vais mettre que le 10, on lance le live. Je serai mon massif là. Je veux seulement les étoiles. Je vais mettre tout, Orange Money, tout ce que vous allez vous seulement déposer. Avec l'argent, je peux faire quelque chose. Je peux m'acheter un cadeau, même un sac à main, une belle paire de chaussures, un bon souvenir. De la part de mes Lolomaniens, j'ai même beaucoup de choses qu'il me faut là. Heureusement que c'est dit sur ton visage, Yamsel. Bonsoir, Tata Lolo. Regardez-moi les gens, quand vous êtes dans vos mariages, vous voulez vouloir manquer le respect aux gens.
Il faut arrêter vos conneries de Congo ça. Je vous dis, les hommes à nouveau font le Congo ça plus que les femmes. Les hommes sont devenus les papas japa. Ils ont les cercles là-bas, 17e. C'est là-bas qu'ils partent s'asseoir. Ils parlent des gens, ils parlent des gens, ils parlent. Ils ont respecté le président Amour. Il a quand même donné 2400 euros, mon frère. 2400, sans compter qu'il a acheté comme vêtements, les déplacements, il paye même à 7000 euros pour faire plaisir à son frère camerounais. Ils sont là pour des petites photos inutiles. Vous les photographes, les gars, pour des petites photos plaisir, marche avec ton photographe maintenant. Franchement, il faut marcher avec ton photographe. Ne prends plus, non, il faut marcher avec ton photographe. Ça amène des problèmes. Où tu me filmes, maman, voici mon téléphone, là, j'ai pas besoin qu'on me filme. Voilà, on veut vos photos là, quand vous filmez les gens, vous partez, où on ne. Pardon, ne fais pas qu'on parle, hein. Dis donc. Ne fais pas qu'on parle, faut pas me pousser après, j'évite même, pardon. Voici mon téléphone ici, je prends même le filtre, il y a tout ça dedans. Ne me filmez plus. C'est quoi ça? Tu vas quand même manquer le respect à une personne comme ça. Et Maïva, c'est comme le fils du président Amour. Hein? Maïva l'a dit à son mari, que le président Amour l'a beaucoup soutenu. Hein? Même s'il prend les photos du président Amour, il m'a appelé le problème. Ça fait quoi? Moi, au mariage de Maïva, j'ai eu mes photos, alors que d'autres personnes n'ont pas eu leurs photos. Parce que la personne, Eric Photo, c'est mon ami. C'est-à-dire que donc, avant, c'est mon ami, on s'entend très bien. Est-ce que Maïva s'est plaint pour ça? Vous aussi, vous aimez tout vous faire voir. Dis, il ne faut pas déranger les gens. C'est ah bon, Oulia, c'est quoi même? Bonsoir, Belin, Belin. Président, reste chez toi, ne pas plus. Tu parles des soirées, les problèmes. Tu as dans le milieu des soirées, dans les bébés, ils se chamaillent comme des enfants. Ils discutent de ceci. Oh, toi, tu n'es pas le boss. Toi, tu es le boss. Machin, c'est quoi? Ah, oh, mais je te attends l'eau comment je veux. Et verser les étoiles le jour de ton anniversaire. Ouais, j'étais calculé par exemple, je vais vous apprendre comment mettre les étoiles. Parce que le jour de mon anniversaire, versez-moi les étoiles partout. Mes amours, c'est que je vous aime. On est que t'attends l'eau. Oh, mais il y a comme une fille qui pleine, non? Oh, t'attends l'eau n'est pas heureuse. Maman, je n'ai pas de temps, je vais venir vous parler de ma vie privée. Ha! Maniaque à ma bobée. La façon que je niaise, vous ne pouvez même pas imaginer. Quand je niaque, moi, il y a encore que, ouais, je n'ai même plus la force de tenir les gens, je me couche seulement, papa et maman. Et ma collègue parle, moi, elle ne parle pas moi de Maïva. Vous les gens, si vous pensez de tenir dans les lives, ne me détournez pas dans mon live. Ne me détournez pas, je vous connais. Le dossier que tu avais là, c'est un dossier passé. Je n'ai plus envie de revenir là-dessus. Je suis même trop fatigué. Ouais, ma copine Asia, je t'ai dit, la baisse du ministre, repose-toi. Tu sais, parfois quand tu es malade comme ça, il faut t'enfermer dans ta chambre. Tu prends des médicaments, tu te reposes, tu avec un endroit calme. Surtout avec ton joli appartement, là, tu as une très belle maison. Donc, voilà. Ça va aller, ma chérie. Maïva ne devait pas envoyer le voice là au président Amour. Maïva a envoyé le voice au président Amour. Maman. Maïva a toujours été dans les affaires de Koussa. Ha. C'est que Paris, c'est un endroit qu'on t'accueille. C'est comme ça qu'on appelle un possible rejeter. N'entre pas dans ça. Mais si tu as besoin, je ne sais pas moi, je ne peux pas m'accuser Maïva sans avoir les preuves. Mais je dis que papa, ton nom est à toi la bouche. Ou peut-être depuis que tu t'es marié, les gens sont jaloux. Je ne sais pas. Depuis que le gars là s'est marié, ça crée. Ouais. Donc il devait rester célibataire toute sa vie. Ah, quand nous sommes là, donc, personne n'a eu fait le coro pour vous moquer de nous. Lui, au moins, il allait prendre une famille épousée. La femme avec qui il a souffert. Hein? Maintenant, son nom est partout, partout. Dès que tu es même dans les soirées, partout son nom. Jean l'a dit bonsoir. En tout cas, hey, Belen, Belen, c'est le dire de Maïva. Ah, laissez non. Oh, laissez son nom, pardon. Merci Seigneur, bonsoir. Il a envoyé les voix, c'est la présidente, il n'a pas publié les photos. Oh là 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 là. Ça va créer des problèmes, hein. Ça va créer des problèmes. C'est chaud, hein, Maïva. Tu sais qu'il y a la concurrence aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de photographes. Bon, tu as ta clientèle, mais fais très attention avec les gens de Paris, là. Je ne savais pas qu'il avait envoyé les voix sur présidente. En tout cas, présidente. Moi, je ne viens plus dans, je ne vais plus dans le mariage de quelqu'un, pardon. Parce que c'est toi qui m'amènes là-bas. Moi, il ne parle plus. Il ne parle plus. Si on me l'a te manquer le respect comme ça, là, moi, je ne suis plus dedans. Moi, je ne veux pas comment quelqu'un fait des efforts pour soutenir son frère. Après, elle vient les injures. Non, ce n'est pas bon. Emani, Emani, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. J'ai fait ce direct pour parler de quoi? Tu veux parler de quoi? N'oubliez pas que je suis ambassadeur de TapTapSen. Avec mon code promo, le 237, vous avez 5 euros de plus dans les premiers envois. Vraiment, merci pour le soutien que vous m'avez apporté ce mois. J'ai atteint le quota de ce que je voulais. Merci infiniment.
vous êtes mobilisés. Vraiment, Adrien Tchunga, bonsoir. Vous êtes mobilisés. Vraiment, même mon patron de Tap Tap, ça a été très fier de moi. Il m'a dit, non, Lolo, tu travailles. Tu es l'une des ambassadrices qui bosse beaucoup. J'ai dit, ce n'est pas... C'est grâce à mes followers et c'est grâce aux sympathisants. Je suis même sûr qu'il y a des abeilles qui utilisent mon code. Merci infiniment. Voilà pourquoi on vous dit que l'union fait la force et la paix est bien. Oh là là, merci, regarde le poète, merci. La paix est bien. La haine n'est pas bien. Parce qu'avec la paix, on peut faire beaucoup de choses. Regardez ce mois-ci, combien j'ai eu. Combien j'aurai comme salaire avec ta place. Hormis de mon salaire, ce que je vais bénéficier avec tous les envois que vous avez eu à faire. Les 5 euros là. Ça, c'est grâce à vous. La paix est très bien. Vraiment, merci. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Vraiment. Oh, je ne te calcule pas. Merci beaucoup. Ce mois-ci, je vois seulement les envois. Continuez à utiliser mon code LOLO237. Continuez à utiliser mon code sur l'application TapTapSend. C'est une application où vous n'aurez jamais de problème TapTapSend parce que c'est la meilleure sur le marché. Les envois. Je ne vous manque pas. TapTapSend. Et n'oubliez pas aussi que j'avais des problèmes parce que j'avais perdu le numéro de la patronne de CIE Beauty. Où est mon teint, non? Moi, je vous mens pas. J'ai un très beau teint. Quand moi-même je sors, c'est pas vos histoires que le filtre là. J'ai un très beau teint. Quand je regarde, si je soulève mon bas, regardez, j'ai un très beau teint. C'est grave parce que je prends les glutathion de CIE Beauty. C'est que moi je consomme. J'ai partagé, j'ai fait un post avec les glutathion de CIE Beauty. Vous avez le contact, comment contacter la PDG de la société CIE Beauty. Elle va vous indiquer comment les utiliser. Il y a le numéro de téléphone, il y a tout. Je vous dis que c'est très très bon le glutathion aussi. Ça ne me dérange pas, mais ça me nettoie la peau, quoi. Ça me lave la peau. Moi, bon, quand je me mets le matin, je me mets à la terrasse. J'ai même peur quand je me regarde, waouh, je suis vraiment clair, ça me nettoie. Je viens chez la peau d'un bébé. Voilà, c'est des très très bons produits. Je vous invite ici à commander, hein. Commander massivement. C'est les meilleurs glutathion de CIE Beauty. Tous les coordonnées sont sur ma page. Et j'ai tout mis là-bas. Voilà. N'oubliez pas aussi que nous avons une soirée le 19 octobre. Le 19 octobre, c'est une soirée pour mettre la culture camerounaise en valeur. C'est du côté de Dunkerque, à côté de Lille et à côté de la Belgique. Donc, venez ensemble, nous allons soutenir cette culture. Vous voyez, les pays d'ailleurs, ils nous imposent tout. Les Chinois nous disent, tu ne peux pas faire deux pas à Paris ou en France sans voir un restaurant chinois. Ils vendent la culture, même les Indiens, un peu de partout. Au Cameroun, les Camerounais, si ce n'est pas une soirée où on va aller danser pour aller se faire le matube, ils n'iront pas. Là, il faut souvent faire des choses pour honorer notre pays en Occident, pour mettre notre pays en valeur. Bonjour, Lydie Fouquet. Toi, Lolo, bonsoir, comment tu vas? C'est à qui elle n'est pas encore dit bonsoir, elle venait encore dit bonsoir, parce que parfois ça file vite. J'ai lancé ce direct pour parler du mariage de Kérosène. Vraiment, mes chers frères Camerounais, en passant, je voudrais féliciter le président de la FECAFOO, M. Samuel Eto'o, et le ministre des Sports. Vous avez montré hier aux Camerounais que la paix est bien. Et c'est ensemble que nous allons construire le Cameroun de demain. C'est ensemble que cette équipe nationale-là, ils ont besoin de vous. Parce que quand vous vous disputez, ces joueurs-là ne sont même pas concentrés à gagner les matchs. Je vous vois ensemble hier, c'était vraiment une grande joie pour moi. J'ai aimé. Il n'y a que les haineux et les mendiants dans les réseaux sociaux qui aiment quand il y a des polémiques. Parce que derrière ces polémiques-là, ils en profitent quelque chose. Ils savent qu'ils vont prononcer le nom de Samuel Eto'o, ils vont gagner des vues. Ils n'ont rien apporté. Ils ne sont pas inspirés. C'est des boîtes vides. Ils nous insultent tous les jours que nous ne sommes pas là à l'école. Mais nous, au moins, nous ne sommes pas là à l'école. Mais nous sommes inspirés. Nous avons des conseils que nous apportons à les réseaux sociaux. Et ils aiment la haine. Ils aiment quand le ministre des Sports a les problèmes de Samuel Eto'o. Parce qu'ils vont se dire, regardez-moi un pays. À cause du football, ils se sont donné des noms. Oh, Véronique Amas, Massistou, bonsoir. À cause du football, les Camerounais sont divisés. Ils s'appellent les hiboux, ils s'appellent les églisiens. Ils ne savent pas que c'est les petits Camerounais qui causent une guerre dans un pays. Après ça, vous mentir, hein. Les petits Camerounais, ça cause même une guerre dans un pays. Ça peut être que tu appelles un Camerounais que hiboux, l'autre tu appelles l'église. C'est quoi ça? Ça sort d'où? Nous ne voulons pas ce genre d'appellation-là. Arrêtez ça. C'est des haineux. Parce que vous n'avez pas la paix. Vous ne voulez pas voir les Camerounais en paix. Parce que vous avez faim. En parlant de Samuel Eto'o, c'est un homme qui ignore que Samuel Eto'o aime son pays. Il aime son pays. Le ministre de l'Afrique, le ministre de l'Espoir aussi aime son pays. Mais c'est vrai que même dans vos familles,
Même chez vous, si on parle de votre famille, vous êtes, celui-ci ne parlait pas avec son frère, l'autre ne parlait pas avec sa soeur. Même dans votre famille, il y a des problèmes. Plus fort que les gens qui ne se connaissent même pas. Il faut arrêter ça. J'ai aimé voir ces gens, ces deux hommes-là ensemble. Et ils ont compris. Mais là, pour dénigrer, ils ont compris. Samuel Eto'o a eu comment? Il faut que chacun, c'est qu'il sait, qu'on laisse Samuel Eto'o travailler, le ministre des Sports travailler, ensemble, vous serez plus fort. Ensemble, le Cameroun va gagner la Coupe du Monde. Si vous mettez ensemble, vous l'avez fait hier, là, c'était vraiment, j'ai aimé ça. C'est que nous vous demandons. Même s'il y a des points entre vous, vous pouvez discuter entre les hommes, pas vous exposer. Vous avez montré aux Camerounais que pour la Coupe du Cameroun, nous serons ensemble devant les Camerounais. On avait vu deux personnes qui se souriaient, qui se disent, mais ils se parlaient à l'oreille. C'était beau à voir. Mais comme il y a les mendiants, les gens qui ont créé les parents des réseaux sociaux pour alimenter la haine, pour détruire les Camerounais, pour créer une guerre dans le Cameroun, ils se motivent parce que c'est que derrière, ils vont avoir les vues, ils vont avoir, parce qu'ils ne sont pas inspirés. C'est des boîtes vides. Malgré mon pas. J'ai dit que la honte sur vous. Maintenant, ils commencent à décrire la démarche. Ah, Emi, c'est le Kamei, bonsoir ma fille. Il commence, mais même pointer la Coupe du Monde. Mais le Cameroun va gagner la Coupe du Monde un jour. C'est moi qui te dis ça. Retiens la date d'aujourd'hui. Comme il n'est pas voir les Camerounais unis, ils aiment diviser. Nous, ils seront unis maintenant. Plus jamais de problème entre le président de l'Afrique Foot et le ministre des Sports. Ce sont les enfants d'un même pays. Et encore plus les enfants d'une même région. Il faut arrêter ça. Vous aimez trop la haine. Vous aimez trop où? Alors que parlez vous sacrez tout la côté. Mais bien, on vous connaît. Faut arrêter ça. Merde. Faut arrêter cette méchanceté-là. Maintenant, ils sont en train de décrire la démarche d'un ministre. Vraiment, les Camerounais, où ils marchaient comme une femme. Il n'y a pas de tchèlés dans vos familles. Hein? Tous les tchèlés qu'on voit. Vous êtes les gros tchèlés que vous êtes cachés. Moi, je vous connais. Les gars qui parlent avec les mêmes conseils, les trois doigts en l'air. Ce ministre-là, c'est un ancien mannequin. Quand tu vois le petit à marcher, non, laisse tomber. Il a la démarche d'un mannequin. J'ai vu le monsieur. J'ai dit, mais vous critiquez quoi? Le gars, c'est que ça dans sa jeunesse qui fait le mannequinat. Il marche comme un mannequin. Il a une démarche. Vous voyez les hommes, l'intérêt partout. Hein? Vous voyez l'intérêtisme partout. Vous voyez ça partout. Donc, quand le même marche avec élégance, il marche comme un mannequin. Les mannequins marchent comme ça. Sûrement, dans sa vie, il était mannequin. Il a sûrement fait le mannequinat quand il était jeune. Lui, il est très chaud. C'est il est élégant. Il marche avec élégance. Oh, vraiment, les yeux. La jalousie va vous tuer. C'est que quoi? Ça démarche c'est jamais belle, il est très élégant. Il a marché comme un mannequin, maman. Il peut monter sur les podiums et faire le mannequinage. Je te mens pas. Moi, j'ai aimé la démarche. J'ai aimé la démarche du monsieur là. Il marche bien. Il marche bien. Les gars, nous marchons bande les gelées cachées dans les faux profils, tout ça. Vous, les toits d'eau en l'air. Les gars, ils vous la routine à la mamie. Les gelées cachées, les plaies comme ça. Vous insultez les gens. Mais vous marchez comment? Vous marchez comme les hommes. Vraiment, quand ils vont sur les commentaires, les gars, les gens, ils vont me donner la vie. C'est quand ils me disent que pendant laisse. Vous marchez comme vous les hommes. Hein? Si tu sais quoi? L'autre, il marche comme un mannequin, maman. Allez, dit que il a dragué le ministre, il a accepté de draguer. Il marche comme un mannequin. Il est très élégant. Il est très élégant. J'ai vu la démarche. Même si je me dis qu'il est mené, il marche. Maman, vous venez vous mettre les pains, les gens qui mangent trois fois par jour. Les gens qui ont faim chez eux, vous venez vous mettre en bouche dans les gens. Les gens qui mangent trois fois par jour, vous avez insulté Eto'o, vous avez insulté le ministre, vous avez insulté Andonana. Oh, Andonana, voyage en jet privé. Andonana, voyage en jet privé. Il n'a pas venu faire le père d'Anloa dans Facebook. Vous êtes père d'Anloa, les pères d'Anloa de Facebook là, les Camerounais père d'Anloa là. Andonana n'a pas besoin de ça. Il joue à son mari, il voyage en jet privé, maman. Le petit là, c'est un enfant, même s'il encaisse même 50 buts par match, ça ne change pas qu'il touche son salaire tous les mois. Oui, ça qui est ça. Vous n'êtes pas honte de dénigrer vos faux joueurs comme ça. Vous pouvez voir ça en Côte d'Ivoire. Si vous voyez un blogueur, il voit un dénigrant, il voit ivoirien comme ça, même s'il mouille, même s'il mouille. Vous exagérez, c'est sûr en tout dans n'importe comment. Le gars, hein, il mange même 50 fois par jour. Par exemple, vous avez les gigolos en Russie. Nous bande les gigolos. Vous vivez au départ des femmes, vous venez insulter un noble Camerounais qui joue à Manchester, qui voyage en jet privé, qui mange 50 fois par jour, vous avez faim. On vous voit manger les feuilles de Mayotte tous les jours, vous voulez insulter l'enfant là pourquoi? Hein? Vous voulez insulter l'enfant là pourquoi? Hein? Ils sont passés, ils sont sur son mana, ils insultent son mana là-bas, ils insultent tout le monde. Arrêtez sans vos frères Camerounais, arrêtez d'humilier vos frères. Ils insultent Samuel Eto'o. Moi, je peux ne pas être d'accord avec Samuel Eto'o, mais je ne peux jamais insulter Samuel Eto'o. Jamais. Il faut arrêter ça. Sans vos frères. Faut arrêter de miser vos frères comme ça là. Je ne vois jamais ça chez les Ivoiriens. Mais ils sont assis là sur Facebook. Parce qu'ils ont manqué d'inspiration. Hein? Ils manquent d'inspiration. Il faut dénigrer les autres. Les gens qui ont faim. Andonana vous nourrit jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire que vous nourrit jusqu'à la fin de sa vie. Le ministre là vous nourrit jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez pas mettre la paix à vos frères. Toi, tu les dénigrer. C'est quoi? Hein? C'est quoi?
C'est quoi? Ça m'a dit que c'est le père d'André Nonana. Et un jour, ils vont se reconcilier. C'est le père et fils. Ne mettez pas vos bouches dedans. Ils vont se reconcilier. C'est le père et fils. Vous avez compris? Vous exagérez la honte sur vous. Ils étaient ensemble, le ministre et son petit frère. Ils étaient, et son fils. Ils étaient ensemble hier à la Coupe du Cameroun. Même à la main. Unis plus que jamais. La honte de sa maman, il n'y aura plus le buzz. Vous allez encore faire quoi? Vous allez encore dire quoi? Nous sommes dans le Japon. Venez nous retrouver dans le Japon. Hein? Tu vas voir les boys bordel. C'est là qu'il a dit, ça bouche dans toutes les histoires de Facebook. C'est boys bordel là. On, mon frère sort, non? Sort, va battre Kampa au Cameroun. Va t'asseoir au Cameroun, tu parles des histoires du Cameroun. Il est caché, tu vas te parler des gens. Hein? C'est boys bordel là. Tu vas te parler de ça. Ça. Il est, c'est donc celui qui il est formé les Camerounais. Tu es formé les Camerounais. Hein? Tu n'as pas vu comment les Camerounais meurent pour les fausses boissons. Tu as reste ta page de support. Quand tu dis que tu es un journaliste d'investigation, donc ta page de journaliste d'investigation, c'est seulement de parler de Samuel Eto'o, de parler de Nana, de parler de tête de père. Tu ne vois pas tout ce qu'il y a comme misère au Cameroun. Tu ne peux pas parler de ça. Hein? Tu as fait quoi pour le Cameroun, on a vu? Bande des maîtres chanteurs. Ils passent à faire chanter les autorités pour soutirer de l'argent. On vous connaît. Il faut arrêter ça. Je suis fier de Samuel Eto'o. Je suis fier du ministre. Ils ont fait la paix. Lui. Et Mark Zuckerberg, si tu vois que tu vas déranger, tu vas déranger notre pays, tu vas nuire entre deux frères camerounais, tu vas partir, tu pars. D'abord, tu vas d'abord rester là-bas en Belgique. Mais tu vas venir dans notre pays, hein, parce que tu vas profiter comment deux frères ont des problèmes, tu vas commencer à donner des conditions. Si toi-même, la vie, ils sont réunis là, où il y a la paix entre eux là, si ça ne va pas, et tu vas dire au ministre qu'on te limoge, tu pars, tu restes en Belgique, tu nous laisses avec nos problèmes. Il te dit d'abord ça. C'est trop. On peut pas dire que tu viens diser les Camerounais comme ça là. Tu aurais pu venir mettre la paix. Je connais les Européens qui parlent. Ils auraient pu dire au ministre que non, Samuel, non, être en harmonie avec tous les deux et essayer de mettre la paix entre eux. Toi, tu viens jouer le bad boy. Tu vas partir. C'est toi qui dérange, tu vas partir. Tu as compris, non? Voilà. C'est toi qui dérange, tu pars. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voulais aussi féliciter Kérosène. Kérosène qui s'est marié. Vous avez vu les stars camerounaises. Vous avez ce qu'on appelle le showbiz ivoirien. Vous les Camerounais là, vous avez ce qu'on appelle le showbiz ivoirien. Tata, non, ma page n'est pas monétisée, donc j'attends. Mais mettez-moi les étoiles, non, ma. Moi, je vais vous pointer. Vous avez quand même eu l'argent à la fin. Vous avez vos salaires à la fin du mois, non. Donnez ma part. Je passe tous les mois ici à parler avec vous, à faire les commentaires, faire les lives. J'ai fini même, je suis fatigué, même pas parler de mon enfant. Donc, je vais faire les lives avec vous. Donnez ma part. Si vous savez que vous avez vu la 9h50, c'est quand vous me mettez les étoiles. Hein? Mettez-moi les étoiles. Moi, mais je sais que les directs sont importants. Parce que quand moi, je ne fais pas le live, je ne vois pas les lives dans les réseaux sociaux, je suis mal. Je ne suis pas habitué avec TikTok. Ça crie trop là-bas, ça crie, ça fait. Je n'aime pas trop. Donnez-moi ma part de salaire. Je sais comment on met les étoiles. Comment, je ne sais pas qui peut t'expliquer comment on met les étoiles. Mettez les étoiles. S'il n'y a pas les étoiles, tu mets PayPal. Lolo Kameni à Omar, il n'y a aucun effet. Vous avez eu le salaire, non? Hein? Je travaille pour vous. Je vous divertis quand même tout le mois, non? Vous voulez quoi? Mettez les étoiles. Je suis pas en train de mendier. Vous devez me donner les étoiles. Je vais parler aux Camerounais pour dire aux Camerounais que les stars camerounaises, là. Vous avez vu ce qu'on appelle le showbiz dans un pays. Vous avez vu ce qu'on appelle le mariage d'un homme du showbiz. Est-ce que vous avez vu le mariage de Kérosène? Elles sont là dans le fait, parce qu'elles se marient en cachette. Vous mariez en cachette pour quoi? Hein? Pourquoi vous mariez en cachette? Vous avez vu le showbiz, vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ce week-end? Du jamais vu. Du jamais vu. Kérosène a soulevé la toile. Abidjan était, mais attends. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Les stars camerounais, tu es une star. Vous partez vous marier en cachette, pourquoi? Pourquoi vous mariez en cachette? Pourquoi vous ne voulez pas que nous soyons vivre ces belles, les belles vidéos comme ce qu'on a vu chez Kérosène? Vous mariez en cachette, pourquoi? Pourquoi vous cassez les pays perdus d'Afrique pour vous marier? Alors vous vous mariez au Cameroun, vous invitez aussi les blogueurs. Pourquoi vous mariez en cachette? Vous avez vu ce qu'on appelle le mariage de star? Vous avez vu le mariage de Kérosène? Franchement, hein? Mais le mariage de Kérosène n'est pas plus beau que le mariage de Muriel Blanche. Elle a fait un très beau mariage. Elle a fait un mariage des milliardaires. Mais est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu? Nous n'avons pas vécu ça en direct. Nous, on voulait voir ça en direct, maman. Tu caches quoi? Vous pouvez nous montrer les photos un an après. Qui va publier la qualité? Moi, la fille de Mbiaye, je publie la qualité là. Je ne peux pas publier ça.
Mais quand tu vas faire, tu vas vivre ton bonheur, tu ne nous invites plus. Tu ne nous invites pas. Mais pour venir partager les vidéos, non, partager vos vidéos par rapport à quoi? Ah, dis donc, pendant Nadia Arama, quitte là-bas, pour vivre les rêves, dis donc, quitte là-bas, quitte là-bas, quitte Dieu. Je n'aime pas les faux commentaires, t'es bloqué. Je n'aime pas les faux commentaires. Hein? Pour vivre les rêves, dis donc, une star se cache qu'elle se marie. Une star se cache. Les stars avec lesquelles ils peuvent vivre le mariage. Comment? Pour vivre les rêves, ils vont cacher. Donc, pour ce mariage, on se cache. Tu parles de quoi? C'est les pauvres qui vont nous cacher le mariage, parce qu'on n'a pas les moyens pour faire un mariage de luxe. Mais un bon mariage pour le même mariage de lumière blanche, c'était le. Mais je dis, c'est un mariage de rêve. Elle a caché ça pourquoi? Regardez le mariage de Kérosène. Regardez le mariage de Kérosène. Oh Seigneur, j'ai peur que Seigneur. Hein? Et Kérosène a invité tout le monde. Les Camerounais, tu vas se vanter. Tous ces gens-là qui sont nés dans les lobbies. Une fois qu'ils deviennent stars, ils oublient d'une chaîne. On n'invite pas tel, on n'invite pas tel. Kérosène a invité tout le monde. Kérosène a invité le père d'Anoua, le mendiant du monde, le plus gros mendiant du monde. Le père d'Anoua a été invité au mariage de Kérosène. Et Dossi Yao a été invité au mariage de Kérosène. Akoutou a été invité au mariage de Kérosène. Tous les la plupart des blogueurs ivoiriens étaient invités au mariage de Kérosène. Quand c'est au Cameroun, non, on ne peut pas inviter tel. Vous êtes qui? Vous êtes des complexés. Vous n'avez pas compris le showbiz. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale du show business en Afrique. Il n'y a pas son deux. Les gens vous ont montré comment on appelle le kiff ensemble. L'Ivoirien donne sa place à tout le monde. Ma foyer me dit bonsoir. L'Ivoirien ouvre les portes à tout le monde. L'Ivoirien ne méprise pas son frère. Vous avez vu qui était au voyage là? Il y avait tous les blogueurs, tous les artistes. Les autorités étaient là, tout le monde était mélangé. Il n'y a pas qu'on prend tel, on ne prend pas tel. Le père d'Anoua a fait son show à sa manière. La prière de père d'Anoua a joué un rôle. Il a fait son show. Le Mola a fait son show. Et Dossi Yao a fait son show. Marco était là. Tout le monde était là. Au Cameroun, elle n'a pas fait le mariage en cachant. On ne voit même pas. Vraiment, les Camerounais avaient le complexe. Vous êtes tellement complexés, vous n'avez pas encore compris la vie. Vous croyez que vous êtes arrivé. Une fois que c'est là, vous devez être célèbre. Elle commence à mépriser les autres. Les Ivoiriens vous dépassent. Je vous le dis. Les Ivoiriens vous dépassent. Même le petit gars était là-bas. Comment on appelle le petit là Bijou, non, Bijou. Ou c'est Bijou Bijou, c'est Zizou. Il était là-bas. Il était à ce mariage-là. Il faut voir le mariage de ça. Vous vous cachez pourquoi? Hein? L'autre nous a ramené un autre bandit. Quand on a rêvé aussi que ouais. Je n'ai pas envie de prononcer son nom. Un autre coulement de geste. Bandit de vraie catégorie. Lui au moins nous a fait rêver. Zizou était là-bas. Tous les frères au Cameroun vont dire que non, on n'invite pas tel, on n'invite pas le loin, c'est un clash sur Facebook. Oh, on est demandé ne clash pas. Père ne clash pas. Après tu ne clash pas, le complexe est camerounais. Zizou était là-bas. Zizou était là-bas. Les blogueurs ma pose étaient là-bas. Les Ivoiriens vous ont montré qu'en Côte d'Ivoire, c'est ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Toutes les classes. Ils sont ensemble. Au Cameroun, ils ont un talent. Eh ben non. Eh, ce sont les filles de Facebook là. Ouais, la chaîne c'est là. C'est ça qui a fait la beauté du mariage de Kérosène. C'est ça qui a fait la beauté de son mariage. Parce qu'il a réuni tous ses frères autour de lui. Faut voir comment c'était animé. Faut voir comment il y avait l'ambiance. Maman, j'ai dit que Seigneur, hein, on ne peut pas vivre ça au Cameroun. On m'a dit qu'elle invite Lolo. Et qui? On invite Lolo. On laisse pas visite ici à la canne. Elles sont sorties avec les cornes à la tête. La sorcellerie. Elles sont sorties avec les cornes à la tête. Commencé à crier au scandale. Quand on invite Lolo, les filles de Facebook là. Nous sommes comment? Les bordes comme les vous là. Hein? Nous sommes comment? Hein? Donc vous êtes donc depuis que vous êtes né, vous n'avez pas trompé mon mari, vous n'avez pas trompé mon gars. Donc vous êtes si elle ouvre si elle dépose ma bouche sur vous, hein. Franchement, elles ont fait tout un scandale. Appelez ici, appelez les filles qui ont partagé leur couetou à tous les ministres du Cameroun. Elles ont aussi osé nous appeler les Waka. Alors que ce sont les Waka, les pères internationales. Il n'y a pas un ministre qui n'a pas mis le dos par terre. Des Waka, donc l'homme tombe sur l'autoroute. Elles ont osé appeler pour dire que les filles là, hein, ce sont les Waka. Moi, j'ai fait le Waka. Si j'ai fait le Waka avec vous, hein? Restez les Waka, hein? Salut l'image, on salue l'image du Cameroun, comme Dieu nous donne. Dieu, il y a un homme qu'on ne voit pas là. Quand vous faites, il vous voit. Que laissez les enfants de tuer tranquille. Il vient déposer, que tu dis, vous dépassez, on va parler. Vous êtes tellement dénigré. Quand vous avez fait quoi? En cause, vous n'avez pas se passer comme ça. En cause, vous n'avez pas. Les gens devaient être même contents que les blogueurs sont là-bas. Ils sont sortis avant. Voilà le mariage de Kérosène, le plus beau mariage de l'année. Pas le. Bon mariage, on a vu, nous on a vécu ça en live.
Vous partez, vous cachez, vous mariez, vous venez déposer les photos sur la table. Moi, la fille, elle va venir commencer à commenter. C'est comment ça, tout ça? J'étais là, on m'a invité, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait comme ça. Je m'en fous de ça. Vous m'avez les brillants sur ma page. Il fallait qu'elle nous invite. Une belle fille comme ça, avec un beau mariage de milliardaire. Le mariage était beau. Il fallait voir comment elle était belle. Ça devait se passer en live. Même à Canal 2. Vous cachez vos choses. Vous cachez pourquoi? Nous, on va pas se, on va pas se mélanger. Jusqu'à celui-là qu'on appelle Marajaki. Il va aussi parler. Donc, vraiment, les Ivoiriens, je vous donne 10 sur 10. Bravo, les Ivoiriens. Bravo. Non, pardon. Je dis que j'ai raté le mariage là. J'aurais dû partir le plaisir à vous. Oh Seigneur, quel beau moment, quelle belle ambiance, quelle harmonie. Vraiment, la Côte d'Ivoire, oh yeah. Kérosène, ton mari était, maman, si j'appelle moi dama, les gens font les mains au Cameroun, ils cachent. Ils choisissent des invités. Même quand ils font les états, ils disent, c'est comment ils font. Elles invitent entre eux. Vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Les gens qui ont gagné à les lobbies, vous oubliez votre passé. Vous êtes passé par là, vous voulez m'épouser les gens. Regardez Kérosène, il n'a pas invité qui? Même le père d'Anou était là-bas. Le père d'Angoua, il faisait sa magnifique, mais il a récupéré même ces 3 millions là-bas. Vous cachez pour vous. Vous cachez quoi? Vous pouvez nous mettre les photos sur les papas, quoi. Un beau mariage comme celui-là. Chez le mal, la fille dit que la fille s'est fait un mariage, putain. Ça aurait dû passer en direct. Il fallait m'inviter même 6 blogueurs. Un bon mariage, maman. Un beau, maman, c'est pas le mariage. Tu as fait un beau mariage, ma chérie. C'était trop beau. Mais nous, on veut voir ça en live. Tu caches quoi? Quand tu es arrivé à la mer, même si tu es arrivé à l'endroit là, tu n'en sais même le direct, on devait voir. Qui devait venir t'arrêter là-bas? Personne. Pourquoi tu fais le mariage en cachette? Nous, on ne vit pas le mariage. Le mariage est caché, on a peur de qui? Des tisards. Une tisard là-bas, tu tapes. Je dis, tu perds son œil avec ta chaussure, tu perds son œil. Qu'elle va faire quoi là-bas? Elle va pas le billet là-bas où? Tu organises ton mariage en cachette, mais le jour de la célébration, tu montes à tout le monde. Nous, on veut aussi dire que Valo Suisse, Camerounais, tu as fait un beau mariage. Ton mariage était trop beau. Ça devait passer, c'était un très beau mariage. Franchement, j'ai aimé le gars beau, la fille belle. Regardez alors comment Kérosène est venu vous voler la vie. Ah non, Kérosène, tu as fait fort. Mais le mariage est là. Oh, maman, le mariage est là. Il y avait tout le monde. On a invité les blogueurs, c'est au Cameroun. Oh non, ne salue pas les blogueurs, c'est là. Ce sont les filles qui font les blogueurs sur Facebook. Oh, le complet va vous tuer. Quel Camerounais. Pourquoi le showbiz camerounais soit comme le showbiz ivoirien. Changez de mentalité. Arrêtez d'être complexé. Vous êtes trop complexé. Le showbiz ivoirien est avancé. Et ils vous ont monté ça devant les yeux de tout le monde. Il y avait tout le monde qui osait la mépriser personne. Il a invité même ceux qui ne sont pas ses amis. Il a invité les blogueurs. Il a invité les artistes. Il a invité les autorités. Il a invité les stars du foot. Comme le Pichichi, Dieng Doba. Dieng Doba, j'ai prononcé ton nom. C'était un très beau mariage. Mais de maman. Dieng Doba, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, Dieng Doba sont très mal comportés avec Samuel Eto'o. Franchement, Dieng Doba, je n'ai pas aimé sa façon de saluer Samuel Eto'o. Voilà où les Camerounais devaient sortir. Ils vont faire comme s'ils n'ont pas vu, je vais vous montrer l'image. Quand il est arrivé avec sa femme, Dieng Doba, Samuel Eto'o, il a trouvé Eto'o était assis. Il a tendu la main. D'habitude, Dieng Doba ne tend pas la main à Samuel Eto'o, ils font une accolade. Il était trop froid. Tu n'as pas honte? Ton collègue footballeur arrive dans ton pays pour une grande cérémonie, même par hypocrisie, tu aurais dû le faire à collage. Il n'existe même pas avec sa belle. Il est déjà comme s'il ne le connaissait même pas. Par rapport à quoi tu as fait ça? Parce que toi, dis la vérité, vous n'avez pas le même palmarès en football. C'est qu'est-ce que c'est ça? Je ne connais pas tout le football, mais vous n'avez pas. Tu as combien de coupes d'Afrique? Tu as 0 coupes d'Afrique. Et toi, des coupes d'Afrique? Et toi, des coupes d'Afrique? Et tu n'es pas n'importe qui? Et tu n'es pas n'importe qui? Tu vas voir ton frère, il vient d'un pays d'ailleurs. Il voyage pour assister à un enfant de ton pays. Tu arrives, tu dois être assis. Le président de la FECAFOOT, où tu as échoué dans ton pays, il est passé. Tu as échoué dans ton pays pour être président de la FECAFOOT. Et toi, il est passé, il est président de la FECAFOOT au Cameroun. Après le football, il a un poste dans son pays où il est respecté. Les Camerounais l'aiment. Tu vas voir ton frère camerounais, ton frère africain. Vous avez fait le même métier ensemble. Hein? Il fait le même métier. Il arrive dans ton pays. Quelle qu'en soit ce qu'il a pu avoir. Même avec hypocrisie, tu aurais dû quand même à faire une accolade. Discuter avec lui. Et tu es comme si tu étais seul. Tu fais ça à qui? Tu manques de respect au président de qui? Hein? Ça, c'est quel fatal de respect ton commissaire là? Tu as osé mépriser le Pichichi? C'est n'importe qui? Tu ne parlais même pas avec lui. Tu l'ignorais. Tu le snobais. Et toi, c'est un homme généreux. Et t'as montré ce que tu ne peux pas faire.
Il t'a montré ce que tu ne peux pas faire. Hein? Il t'a montré ce que tu ne peux pas faire. Il est parti du Cameroun pour aller soutenir un artiste ivoirien. Toi, tu es venu au Cameroun faire un jour. Tu es venu au Cameroun un jour, même qu'il y a la Cameroun avec les Camerounais. Non. Pour les petits enfants des banlieues là, il faut arrêter. Tu n'as pas aimé Didier. Tu as très mal fait. Tout le monde a ressenti que tu étais fou avec Samuel. Samuel t'a fait quoi? Samuel t'a fait quoi? Des grandes personnes comme vous, des légendes du football, que ce soit toi, que ce soit lui, vous représentez l'Afrique dans le monde. On voit deux grandes personnes. Tu l'as trouvé ton frère, il est assis. Tu tends la main. Je suis pas d'accord. Ça se passe pas comme ça là. Tu aurais mieux fait comme d'habitude, on a l'habitude de vous voir. C'est les accolades, c'est les souris, les fourris. Mais toi, t'es assis là comme ça. Il était assis là comme ça. Il dit, mais j'ai eu très mal au cœur. Je dis, mais c'est quoi ça? Hein? Il ne mérite pas ça. Même quand on s'en est ton nom, tu fais le boucan. Hey, ne fais plus jamais ça. Drogba, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que je respecte ce que tu as fait pour l'Afrique. Mais là, tu as zaillé. Tu as chié. Tu t'es pas bien comporté. Tu es peut-être jaloux parce qu'il est président de l'Afrique à foot. Mais il a été voté, hein. Toi, tu as présenté la candidature là-bas à la FIFA. Les Ivoiriens ont refusé. C'est pas ce qui s'est passé. J'aurais aimé que tu sois aussi président de la FIFA ou c'est FIFA en Côte d'Ivoire. Mais Dieu a voulu que ça se passe à toi. Peut-être les années qui suivent, tu peux l'être. Mais et toi, déjà un boss, il est déjà au Cameroun. Hein? Il est président de l'Afrique à foot. Peut-être il ira à la CAF. Pourquoi il n'est pas à la FIFA? Hein? Mais tu dois respecter ton frère en tant que d'abord président de l'Afrique à foot du Cameroun. C'est pas n'importe qui. Je sais pas aimé Didier. Franchement. J'ai eu très mal au cœur. Je n'aime pas qu'on s'en prend surtout à un Camerounais quand il est à l'extérieur. J'aime pas ça. Les problèmes des Camerounais entre eux, j'aime pas ça. Mais quand mon frère se déplace pour aller dans un pays, et je vois un peu ce manque, cette falta de respect là, je n'aime pas ça. Mais j'ai du respect pour toi parce que tu es une légende. Je ne peux pas te parler n'importe quoi. Mais ce que tu as fait, ça ne m'a pas fait plaisir. J'ai eu très mal au cœur. J'ai dit non, pourquoi il s'est comporté comme ça? Hein? Et tu dis avec ta femme, elle était. Maman, on peut s'aimer le mal avec quelqu'un comme ça. On va aller comme ça, vous avez femme Wattabi. Quelle femme Wattabi comme ça? Jaouma, c'était Lolo, je disais, ouais, pas, ouais, j'avais le noir. Vous n'avez pas parlé pour l'autre là. Vous n'avez pas parlé pour elle. C'était moi, ouais, pas, ouais, j'avais le noir. Elle est portée, elle est en noir, donc vous avez ouvert vos bouches pour aller. Hein? Le mal de Kérosène était très beau, vraiment, mais Kérosène, j'ai appris que tu as laissé une femme. Kérosène. Que tu as laissé, tu as. Ce qui m'a un peu énervé dans ton bac, vous les hommes là, vous manquez trop le respect aux femmes. Vous avez un manque de respect avec les femmes. Le jour que la femme africaine va comprendre, nous serons les meilleurs, nous serons respectés. Mais tant que la femme africaine reste la femme soumise là, la femme maboule, les hommes ne vont jamais, au grand jamais, avoir du respect pour nous. J'ai entendu quelqu'un dire que, oh, elle parle du mari, je me suis déjà marié. Vous n'entendez pas qu'elle parle tous les jours. Pour un temps, mais je suis marié, on appelle ça mariage par intérêt, je ne considère pas ça que le mariage. Les choses ne vont pas faire la mairie, bac, dans le sous-songo là. On parle, va vite. Ça c'est le mariage pour venir en paix. Pour moi, ce n'est pas le mariage. Vous avez compris? Donc quand vous voyez, si vous ne connaissez pas la vie, vous jouez le large pour vous parler, parce qu'il faut parler. Le jour que la femme africaine va se donner de la valeur, les hommes vont vous respecter. Et moi, je ne vais jamais donner la. Discuter un homme avec une femme, jamais de ma vie. Je dis jamais de ma vie. Parce que je donne trop le poids à l'homme là. Je ne suis pas un objet sexuel comme celle-là. Les objets sexuels. Que derrière on le prend, elle mange les chats pour faire plaisir aux hommes. Moi, elle ne fait pas des choses comme ça. Je peux manger la chat pour me faire plaisir à moi. Elle peut me faire tout mal derrière, c'est pour mon plaisir. Pas pour faire plaisir à un homme. Jamais de la vie. Je n'ai jamais fait des choses pour faire plaisir à un homme. Je fais mon plaisir à moi. Vous avez compris? Voilà Kérosène qui passe se marier. Il a fait 3 enfants dehors. Avec 3 mères différentes. La première, il a dit que je suis amoureuse de toi. Il a pour le bénin. Il est parti. La deuxième, oh, je trouve que la femme de ma vie. Il a déposé, il est parti. La troisième qui vit au Canada. Nous avons vu le poste qu'il a déposé. Il a dit à la fille que. Il a même fait le poste que. L'amour de ma vie, je vais l'épouser jusqu'aujourd'hui. Quelques années plus tard, on voit qu'il revient à la mairie avec une autre femme. On ne vous a pas dit ça dehors. Que faire l'enfant avec un homme, ce n'est pas le mariage. Vous croyez quoi? Hein? Vous avez tous les enfants avec qui vous allez venir vous épouser. Hein? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Il vous a menti. Mais quand vous croisez les hommes ici dehors, une femme croise un homme. Elle dit qu'on n'aurait pas écarté que l'enfant doit entrer parce qu'elle va entendre qu'on appelle la mère de l'enfant. Vous étiez où?
Il fallait partir à la mairie. L'enfant là ne retient pas un homme. Vous avez compris? L'enfant ne retient pas un homme. Quand j'ai les preuves, on a pu me dire que c'est la mère de l'enfant. Oui, franchement, j'ai envie de rire. C'est pas que j'ai pas envie d'aller dans les détails. J'ai pas envie d'aller dans... Un homme qui t'aime, ça arrange à arranger la vie de ton enfant. Un homme qui t'aime, ça arrange à arranger la vie de ton enfant. Si la vie de ton enfant est zéro, c'est que l'on n'a rien à foutre de toi. Vous avez compris quoi? Yo, machin, oh, mais voilà trois mères d'enfants qu'on a abandonnés. On est parti épouser Bintou. Bintou, la plus belle. Elle aussi, elle a fait son mouna. Elle a déposé le mariage. Et on a vu. On dit que non, non, jamais il n'a pas ton enfant avec la fille. Que aujourd'hui, il a un seul enfant avec cette fille. Vous pouvez en avoir fait les enfants, les hommes. Vous allez tenir les hommes là. Vous n'allez pas tenir les hommes là. Ne faites rien quand vous êtes en couple pour tenir un homme. Vivez votre amour naturellement. Ne vous n'ayez pas les calculs. Donc oui, je vais faire l'enfant avec lui. Oh, je vais aller l'épouser. Il va plus épouser une autre fille. C'est faux. Il peut t'épouser demain, il divorce. Il peut épouser la femme qu'il aime. Ne faites rien avec les intérêts. Ne calculez pas quand vous êtes en couple. Ne cherchez pas à tenir l'autre. Quand vous calculez, quand vous voulez tenir l'autre, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Voilà, les effets sont là. Quand vous devez tenir les hommes. Oh, dès qu'elle rencontre un homme. Une femme qui ne connaît pas un homme, elle a connu l'homme sur WhatsApp, Messenger. C'est sur Facebook qu'elle a connu l'homme. Sur Messenger, WhatsApp, les amours, non, pour y aller marier. Il t'aime comment, ma? Comment t'aimes? Il t'aime comment? Il t'aime comment? C'est l'amour par intérêt. Oui. Quand il aura ce qu'il a veut de toi, il va te barrer pour aller épouser la personne qu'il aime. Sur TikTok, tu ne connais pas un homme. Maman, rencontrez-vous même d'abord, non? Rencontrez-vous d'abord. Discutez même. Et pour ce qui me dirait, c'est la vérité, discuter, échanger. Ce n'est pas que là, là, là. Un homme, tu ne sais pas faire. Tu crois que tu es avec un fantôme. Quand tu vois à travers la télévision, tu parles avec lui, tu parles avec lui, tu parles avec lui, tu parles sur Messenger. Un bon, bien le mariage, parce que tu vas entendre quand tu appelles, je m'appelle madame. Vraiment. Madame, là, c'est pour combien de temps? Madame, partagez le direct, donc. Madame, là, c'est pour combien de temps? Ça va pas durer. Ça va prendre le temps, ça va prendre. Tu resteras célibataire. Il va te déposer en haut-tu. C'est qui est-ce que c'est ça? Même si tu as même 100 enfants, il va te déposer en haut-tu. Il va aller épouser la femme qu'il aime dans son cœur. Et nous tous, nous connaissons comment ça se passe. Hein? Quand un homme t'aime, il te prie, il ne peut pas, te tromper avec une autre femme. C'est sur laquelle il vous épouse le lendemain, ils sont en train de bine avec le tisa. Vraiment. Hein? Vous voulez les hommes, vous tenir les hommes. Les amours par intérêt. Voilà aujourd'hui. L'amour a triomphé. On va vous dire que oh, la famille de la fille est riche. On a rien à la lui, ça ne change pas. Mais je pense que tu es amoureux de cette fille. Il s'aime. Le mariage était beau. Il est beau, il est jeune. Elle est belle, il est jeune. Elle est jeune. Il s'aime. Même s'il y a un intérêt derrière, c'est d'abord une belle fille. Elle est belle. Ils vont ensemble. Il s'est islamisé, il s'appelle Adama. Par amour, il s'appelle Adama. Oh, je suis la mère de l'enfant de. Hey, maman. Oh, je suis la mère de l'enfant de. Oh, je dis c'est la. Maman. Oh, je suis la mère de. Alors prendre que j'entre les mains de Bintou pour partir avec, je vois. On dit qu'il est soumis à Bintou. Même s'il est soumis, ça fait quoi? Il aime la soumission. Adama aime la soumission. Vous avez compris? Il aime la soumission. Il est soumis à Bintou. S'il est soumis à Bintou, un jour il va partir. Retrouver ce qu'il a voulu aimer. Mais pour le moment, elle a pris. Oh, marcher, marcher. Même si le mariage n'a pas intérêt, tu vas arrêter de la fille au fur. La fille a l'argent. La famille de la fille a l'argent. Tu as vu le mariage. C'est dans le pont de qui? Adama qui est aux ailes. Il faut alors. Trop d'intérêt, hein? Ah, maman, l'argent, le pouvoir est si bien, ma. Quand tu as l'argent, tu peux avoir tout, hein. Avec l'argent, tu obtiens tout ce que tu veux. Et on va partager le reste. C'est-à-dire que ma part, c'est tout resté. C'est parce que Zougenberg me veut. Zougenberg, je suis fatigué de toi. Je te parle aujourd'hui, débloque ma page. J'en ai marre. Je peux pas être dans les réseaux sociaux. Ma page, à quoi je peux m'avoir, il y a plus d'un million d'abonnés. Tu as bloqué ma page depuis 4 ans, 5 ans. Je reviens encore avec la petite page. Si tu bloques, tu me veux quoi? Zougenberg, tu me veux quoi? Vous les sorciers qui signez, vous signez mes pages pourquoi? Hein? Tu n'es jamais nécessité de toi comme de. Ah, ça, c'est l'argent qui est important.
Réveille bien et puis si tu es même ou même on avait un direct à finir. Mémé, il y a quoi? Tu es là le Japon, réveille bien. Il y a quoi, mémé? Comment la fille là, t'as clashé. Mémé, tu sais que tu es une chef d'entreprise, non? Il y a des personnes à qui tu ne dois même pas reprendre, ma soeur. Tu es une chef d'entreprise. C'est intéressant. Elle est qui? Qu'à chaque fois qu'elle va sortir, elle va reprendre. Elle est qui? Tu es une boss lady. C'est n'importe qui a une boutique à Montmartre. Montmartre, c'est européen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es propriétaire enfant. Tu as ta vie. Tu as tes enfants. Tu as ta vie. Tu vas reprendre à qui tous les jours? Pourquoi il faut me zapper? Bon, comme on dit souvent que nous, maman, on aime le Japon. C'est le Japon qui nous intéresse. Moi-même, j'aime le Japon. Je reprends. C'est ma maman. Si tu reprends, c'est là. Tu as raison. Tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. Maman, j'ai vu seulement la copie au comment tu l'as lavé jusqu'à ce moment-là, Kadama. Les blogueurs, d'abord aussi, vous aimez quand vous insultez. Hein. Franchement, vous aimez quand vous insultez. Parfois, quand il y a un dans son coin, n'appelle pas son nom. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Hein. N'appelle pas son nom parce que, franchement, quand vous insultez, c'est quand même humiliant. Ça, c'est pas bien. Ça vous salit. Maman avait dit son coin. Rêve bien, il va lancer le live. Franchement, il n'avait rien à vous dire. Je crois qu'on va me donner les étoiles. Vous ne me donnez pas les étoiles. Il y a qu'est-ce qu'on parle. Que vous avez fait un très beau mariage. Que vous avez choisi le lui de son cœur. Mais je n'ai pas aimé trop le thème de son mariage parce qu'il a dit que j'ai enfin trouvé la femme de ma vie. Vous, les hommes, il faut souvent manquer. Il faut arrêter de manquer le respect aux femmes comme ça. Hein. Va te marier tranquillement. Ne cherche pas à humilier celles qui étaient là avant. Tu as compris? Ne cherche pas à humilier les femmes qui étaient là avant. Tu dis que j'ai enfin trouvé l'amour de ma vie. Dans les temps qui tu étais, c'est pas l'amour de ta vie. Donc tu as trompé trois femmes. Il faut arrêter vos collègues, les gars noirs là. Hein. Ouais, je ne sais pas si je vais sortir encore avec un gars noir. Hein. Je ne sais pas si un jour je vais encore me mettre en couple avec un gars noir. Je ne sais pas. Hein. Parce que les gars ont une façon de mépriser d'autres femmes. Attends, tu m'as marié toi. Tu as fait un beau mariage, mais le thème de ton mariage, j'ai enfin trouvé l'amour de ma vie. Dans les trois femmes que tu as fait trois enfants, là, tu ne les aimais pas. Donc tu as trompé trois femmes africaines. Tu es de moquer de nos soeurs comme ça. Non, il faut arrêter. Elles ont quand même fait des enfants. Si aujourd'hui tu deviens pauvre, ce sont ces femmes-là qui sont les enfants qui peuvent t'élever. Elles sont moins le secret, elles sont les mamans de tes enfants. Hein? Tu les dis carrément que, oh, tu donc qui l'avance, tu peux me sacrer comment c'est là. Tu dis que, oh, les femmes que j'avais avant là, comment l'amour, j'ai dit, tu vas faire l'amour de ta vie. Quand tu étais passé dans ton clip, quand tu étais passé dans ton clip pour venir jouer le clip avec toi, tu ne savais pas que c'était une femme qui était l'amour de ta vie. Ya! Yeah! On vous voit venir. Il est dans l'aventure. Non, je ne dis pas ça, maman. Ne dis pas ça. Il n'était pas dans l'aventure. Il était dans l'aventure comment? Donc, la fille est. Non. La fille était dans son clip en 2014. Il a fait l'enfant avec une fille au Canada, je crois, en 2000, l'année dernière, non? L'année il y a deux ans. Donc, la femme là, avec qui tu es parti, qui que tu vas l'épouser? Tu n'avais pas dit Bintou dans ton clip pour dire que c'est l'amour de ta vie. Ya! Yeah! Ya! Yeah! C'est même souvent en cachette. Hein? Tu n'avais pas vu, tu as fait le clip. Bintou est passé dans ton clip, non? Bintou. Est passée dans ton clip. Dans l'année là qu'elle est passée dans ton clip, tu ne savais pas que c'était l'amour de ta vie. Tu ne savais pas que c'était l'amour de ta vie. Tu l'as laissé partir. Tu es parti loin au Canada. Belle en du Canada, fais l'enfant avec elle. Possible que tu vas l'épouser. C'est après quelques années après, tu sais que tu as fait l'amour de ta vie. Ya! On ne peut pas mentir les gens comme ça, disons. Comment tu vas humilier des femmes africaines? Dans ces trois femmes, avec qui je ne vais pas compter d'autres qui n'ont pas eu des enfants. Dans ces trois femmes que tu as vécu là, elles ont fait des enfants, elles ont fait de toi papa, elles ont porté 9 mois pour toi. Tu ne les aimais pas, elles n'étaient pas l'amour de ta vie. Mais pourquoi tu leur as promis le mariage? Pourquoi tu as promis le mariage à celle du Canada? Donc tu te moquais d'elle, donc c'est pas l'amour d'elle. Donc tu as perdu le temps pour rien. Vraiment, vraiment. Et tu as dit ça devant le monde entier. Les femmes africaines t'applaudissent que lui il a choisi ta femme, il a choisi. Les jaloux vont mourir. Est-ce qu'un homme peut dire ça? Donc tu as insulté toutes les femmes que tu as connues avant qu'elle. Mais elle était dans ton clip en 2014. Pourquoi tu l'avais pas vu? Quand tu l'avais vu, le vieux dans les yeux, tu n'avais pas su que c'est l'amour de ta vie là-bas. Tu l'as laissé passer. Tu es parti tourner, tout faire le tour du monde, arriver au Canada, porter le bélet, revenir t'asseoir à Abidjan. Quelques années plus tard, aujourd'hui, tu as une femme qui était devant toi en 2014, tu l'as pas vu. C'est en 2021, 2023 que tu as cru que c'était l'amour de ta vie. Faut arrêter. Hein? Tu as fait le tour comme Magellan, tu as fait le tour du monde, tu es sur des classes, mais dis-moi la vérité. Tu as bouillé ici, bouillé là-bas, bouillé partout, bouillé pour mettre le mariage au gars. Aller ici, aller en gros, jusqu'à atterrir au Canada. Avoir un enfant canadien. Peut-être les carreaux au Canadien. Tu es parti là-bas, dire que la femme a pris. On a vu les photos sur Facebook. Tu as écrit que c'est l'amour de ta vie. Tu es revenu maintenant encore à Abidjan t'asseoir. C'est là où tu t'es rappelé qu'il y avait une fille qui allait tourner dans ton clip. Il y a là 2014.
Tu te rappelles que c'était l'amour de ta vie. Et c'est là où tu... Vraiment, tu dis les gars noirs. Les gars noirs. Oh, les Africains. Franchement, quand est-ce que tu allais respecter la femme africaine? Marie Chanté, ils sortaient avec Bintou. Avant de se séparer, ils ont même. C'est ce qu'on vous dit, mais ils sont avec elle. Ah, dis donc. Tu sais pas, on a attrapé quelqu'un. Même s'ils sont avec elle, ils n'avaient pas le droit de dire que le thème de son rêve, qu'il a trouvé l'amour de sa vie. Les femmes, je sais que c'est faux. C'est faux. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il a bruit partout, 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 partout. Qui osait, moi, j'aime te dire, mais ton mariage. Hein. Mais la phrase est là. Ce n'est pas bien. Tu as insulté toutes les femmes avec qui tu as eu une aventure un jour. Ces femmes-là méritent au moins le respect. Ce n'est pas le traumatisme que tu peux causer à une femme. Ça peut causer le traumatisme à une femme. Qu'elle va dire, hé, toi le gars, j'imagine un peu, je dis, oh, fille, après bébé, je t'aime, oh, je vais t'épouser, c'est la femme de ma vie, depuis que je n'ai jamais eu une femme. C'est ce que vous dites souvent, non? C'est ce que vous dites souvent aux filles, que oui, c'est la femme de ma vie, je t'aime que tout le monde. Enfin, tu as vu le white qui est dans ton direct. T'es white. Ta robe, ouais, t'es white. Tiens, je t'aime, c'est l'amour de ma vie. Tu as dit ça comme les filles. Donc tu as menti les femmes. Imagine ce qui est au Canada. Elle avait déjà ses copines, elle me mariait avec une star. Je me mariais avec Kérosène. Elle était déjà avec. Elle avait avec. Je ne sais pas. Elle était amoureuse jusqu'à. Et tout, tout, tout. Elle était amoureuse. Kéro, 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 tu as zaï. Tu as zaï, Kéro. Tu avais un très beau mariage. Ta femme était très belle. Tu étais très beau. Mais le mot là que tu as trouvé l'amour de ta vie, non. Tu peux même dire que. Que tu as trouvé l'amour. Non, c'est, non, tu as zaï. C'est pas bien. Pensez souvent aux autres. Ne pensez pas seulement à vous. Ça peut t'apporter la malchance. Hein? Regarde tout ce que là. Je sais que les femmes regardent le mariage hier. Pour ça. Tiens, on connaît comment vous dites. Moi, c'est pour ça moi-même, je manque souvent les gars. Je manque souvent les gars, moi. Que je t'aime jusqu'à. Et moi, pour dire je t'aime à nous, là, c'est facile. Hein? Je t'aime, machin, je peux mourir. Qui? Moi, la fille de Biaï. Maman, je suis Eva Flojait. Moi-même, je suis à fort dans le mensonge là-bas. Et peut-être dire je t'aime toute la nuit. Alors que tu fais l'erreur, tu glisses, je vais glisser. Et ça ne choque pas. Moi, je suis là une blessée de guerre. Une blague même qui avait l'autre là. Tu glisses, je glisse. Et peut-être dire que je t'aime, machin. Oh mon père, quand tu me niasses alors, oh, les jeter avant de tuer moi les oreilles. Parce que c'est le goût de la niasse. Je vais te dire ça que oui, c'est bon. Peut-être qu'il ne veut pas le dire. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Et ça peut arriver. C'est sûr, je dis que oui, mais il veut. Je n'ai rien contre moi, mais ça, cette phrase-là, c'était pas bien. Un Européen ne dira jamais ça. Je ne vous mens pas. Il y a un peu, les hommes africains, ils ont cette habitude-là de manquer le respect à la femme. Ils nous méprisent trop. Et puis, je n'aime pas. Ce sont les femmes qui pensent que ces hommes-là nous méprisent. Ce sont les femmes qui pensent que ces hommes-là nous méprisent. Parce qu'elles veulent, je ne sais pas. C'est la, je ne sais pas, elles sont en manque ou c'est, je ne sais pas trop. Mais moi, quand tu me bouilles alors, je vais te dire que maman c'est bon, bébé, je t'aime, j'étais malade, je te dis ça dans les oreilles, partout, je fais les bisous, maman. Mais que tu fais l'erreur, le je t'aime là, oh merde, je vais te laver comme le salon de ma femme. On m'a dit que c'est la petite disant que je t'aime, tu dis non, je suis à une blessée de guerre. L'autre a demandé que, oh depuis qu'elle s'est séparée, elle n'a pas de gars. Tu vas te montrer le gars que j'ai. Comment, oh t'as été pour aller, pardon, avant voyant les étoiles, pardon, mettez-moi les étoiles. Oh elle n'a pas de gars, donc je vais te montrer mon gars, pourquoi? Je te montre le gars pourquoi. J'ai 10 gars. Je vais te montrer les 10 gars. Oh! Je vais te montrer les 10 gars. J'ai 10 gars, 10. Oh, depuis qu'elle s'est séparée, je ne suis pas moi en couple. Je prends le temps pour me mettre en couple. Pour le moment, j'ai 10 gars. Oui, j'ai 10. Je prends le temps pour me mettre en couple. Pour le moment, j'ai 10 gars. Et les 10 sont mariés. Je fais comment? Je vais seulement leur boum. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu Tida. Tu sais pourquoi? C'est le meilleur réseau. Est-ce qu'une Tida souffre? Tu dis que quoi qu'elle est mariée. Et depuis que donc, je vais me mettre en couple pour vous faire plaisir. Gars, tu fais la bonne niasse bien les gars ici dehors. Dans quelques jours, le bon niasse. Hein? On a préparé tout. Maman, dans quelques jours là, j'ai bon niasse. Maman, la niasse sera devenue. J'ai percé que les plafonds. Po, 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 po. La semaine passée, là, j'ai niasse. J'ai dit que j'ai 10 niasseurs, 10. 10. Et chacun qui se connaissent, tu touches notre nez qui va dire. Tu touches notre nez qui va dire si on veut de garder le secret. J'ai 10 niasseurs. J'ai 10. C'est le meilleur réseau de Tisa. Et je ne suis pas avec personne n'entre chez moi. Quand je dis que non, attends, moi, tu peux m'enlever la voiture là-dedans. Il y a l'hôtel. Hein. Tu n'entends pas les ronfleurs chez moi. Je ne veux pas les hôtels déjà. J'aime dormir seulement. J'ai 4, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je dis que dans quelques jours, je vais gonias.
Je niaise tous les jours. Je change le plantain. Maman, il y a le plantain mûr, les non mûrs, les un peu mûrs, les... Il y a le plantain gâté, gâté. Maman, mes plantains mûrs, les plantains de 1000 euros, les plantains de 100 euros, les plantains de 200 euros, les plantains... Je suis devenu Dona Benja. Oui. Vous avez suivi le film de Dona Benja. C'est l'homme qui avait transformé Dona Benja. Lui, l'homme qui l'avait transformé, était une femme très, était très, très fidèle. Elle a rencontré son gars, elle était amoureuse et folle de son gars. Elle aimait la folie et tout. Après, un gars, son gars l'a quitté pour aller épouser une princesse ou une princesse, quelque chose comme ça. Elle est devenue quoi? Une maman, une casseuse de mariage, briseuse de mariage. Elle bindait. Ouais, je l'ai dans de mon direct. Je suis Dona Benja. Qu'elle est en couple avec qui? Je suis en couple avec ton père. Tu sais pas ce que vous avez ton père? Quand vous faites ce genre de choses là, que je vois, c'est moi, je reconnais seulement le nom de la personne. Je vais aller prendre ton père pour l'amener à l'hôtel. Je filme et t'envoie. Que c'est ton père avec qui je bouille. Ben, je suis très puissante pour ça. Quand elle dit qu'elle va bouiller un gars, hein, il monte, il descend. Elle va bouiller un gars là. Ça ne peut pas me dépasser. Je vais utiliser toutes les stratégies et je vais bouiller avec. Je me connais. Donc j'ai 10 gars. 10. Le titulaire que je considère pour le moment, c'est le blanc de 36 ans. Mon bébé, là, il a 36 ans. Pour le moment, il est le titulaire. Vous n'allez jamais voir le blanc là. Vous n'allez jamais, voir ses tatouages. Je vais filmer, c'est très bien montré. Vous avez compris? Mon what, vous n'allez jamais voir. Maintenant, les gars noirs là. Vous savez que les gars noirs, elles aiment les gars noirs. Je vais seulement les bouiller comme ça là. Il y a un autre qui m'a vu le dossier, il m'a envoyé le message. Oh, tata, lolo. Oh, comme tu es un célibataire, elle peut venir passer le week-end. Elle dit, ouf, les gars, ouf. Mon voix dans le direct. Non, il n'est pas là. Quoi? Belin, pourquoi s'il irait Belin? Léo Boulou, Léo Boulou n'a jamais existé. C'est un nom que je me suis donné, que j'ai inventé. Hein? Léo Boulou, c'est mon pote. Tu as vu le blanc? Et qui? Je l'ai dit, mais c'est qui? C'est quel blanc, non? Maman, j'ai vu aujourd'hui, là, on fait un peu le concert de la toile. J'ai vu de l'eau bouler, maman pleure. Tu as vu qui Julien? Je vais devoir vous laisser. Les robots, tu as trouvé le roi à Julien. Julien, ils sont bien mariés. C'est une vieille femme, elle est dans 16 ans de mariage. Hein. Ouais, Lolo, tu nous as jeté sur Héro Boulou. L'Héro Boulou, comment l'Héro Boulou est là, non? C'est mon ami. L'Héro Boulou, c'est mon ami, oh. Emilien Bouba, tata Lolo, tu étais vu la dernière fois avec ton blanc. Voilà, le blanc est là. 36 ans, mon white. Tu m'as laissé où? Il va commencer quand il m'a saillé, moi, oui, il met le chapeau. Quand il sort de la voiture, il met le chapeau. Quand tu avais parlé de lui, là, la dernière fois, oui, mon white, il a 36 ans. Il a établi, il est jeune. Il m'a dit qu'il m'aime. Oui. Il m'a dit je t'aime. Il avait moi. Il est amoureux de moi. Et moi-même, je l'aime. Je ne l'aime pas encore pas beaucoup, 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 mais je l'aime. C'est lui. Un white très beau. Avec les yeux bleus. Le général Loma verse les étoiles dans ma fille. Et voilà. Ouais, ouais. Les gars, moi, là, moi, je ne sais pas, ils ont marié. Mais quand tu es un homme marié, il ne veut pas venir si tu peux vous parler. Il aura peur que sa femme va dire que donc, les hommes mariés, les venir avec vous. C'est comme ça. Tu es célibataire, tu ne viens pas, même pas l'encombrement. Il y a quelqu'un qui va venir entrer chez moi. Attends, il laisse d'abord, je suis, j'arrive. Il révèle le lendemain. Ouais, c'est même. Il dit avec un petit plastique. Oh, attends, il fait comme le modèle. Il sort, il laisse le petit plastique. Après, il vient encore l'autre jour. Avec un petit sac. Il dépose. Ah, pour finir la pièce, je ne veux pas. Un homme dans ma maison. Il ne veut pas la malchance. Il ne veut pas. Après, avec moi, il a amené tout ça. Il dit, ma chérie, oh, la maison où j'habitais. Il est installé chez toi. Non, maman, c'est dehors, dehors. C'est dehors, dehors. Donc toi là, là tu m'as appelé encore hier, tu es dans mon direct. Je t'ai dit que tu es un gars que j'aime bien. J'aime bien ton plantain. Je ne veux pas te mentir. J'aime bien ton plantain. Et tu n'es pas un gars qui est bavard. Tu connais garder les secrets. Ce qui me plaît sur toi. Mais tu ne peux pas dire ici. Arrête de me dire que oh, ton moulin est déjà grand, elle a 15 ans. Oui, elle a 15 ans, mais je fais attention. Arrête de dire facile que oh, machin, oh, tu as peur que les gens. Non. Je te dis après, tu es dans le direct là, je sais que tu es là. Mais je te dis que tu ne peux pas entrer chez moi. Ne te fâche pas. Le jour que tu auras les dos,
Lorsque tu auras un peu d'eau, tu connais non? Tu prends seulement un oui bien. On se met à l'aise. Au revoir, tu rentres chez ta femme, je rentre au trou de mon lit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dire, oh non, tu veux tout chez moi. Je dis, tu veux venir caler ici, mon père. Tu veux venir caler chez moi. J'ai un joli appartement. Tu as pas pu sortir. Mon appartement est joli. C'est propre. Tu sais faire la cuisine. C'est laver les habits. Tu sais repasser. C'est tout faire. Tu vas entrer ici. Tu vas venir caler avec Tanga. Tanga, il dit que tu sors là. Mais tu vas venir caler. Non, je ne veux pas, papa, pardon. Je suis moi bien comme ça seul. Avec mon enfant. Donc arrête de m'envoyer des messages. Je vous lis le message. Oh, attends, moi, je m'attends, lis le message. Arrête de m'envoyer des messages. Oh non, j'ai déjà des relations. Je ne suis pas moi en relation avec toi, papa. Je ne suis pas en relation avec toi. Je ne suis moi jamais. Dis-lui que si continue. Mais ça, non, je suis la reine de l'humain. Elle est au courant de ça. Je dis toi, la reine de l'humain. Dis la vérité à ta femme. Ouais, Amélia, c'est quoi, non, non. Tu es dans une même petite nom où je suis encore comment. C'est comment. Je dis, hein, pardon. Tu ne veux pas me gêner, je peux lire ton message devant tout le monde. Je ne suis pas moi en relation avec toi. Mais je sens que c'est moi qui vais parler maintenant sur Facebook. Je ne suis pas moi en relation avec toi. Toi, c'est une affaire que ça dure depuis longtemps. Quand on bouille, parce qu'on aime bouillir ensemble. Tu sais, les gars, que c'est pour bouillir. Tu sais, les hommes pour bouillir, on donne la bouillie, il n'y a pas autre chose. Donc, quand je bouille avec toi, ne te mets pas les idées que comme elle dit, c'est la tu ne peux pas dormir la bouche sur moi. Même une narrative, tu ne peux pas dormir. Tu as compris, non? Je te dis la vérité. Tu ne veux pas dormir. Parce que quand vous passez à 1000 boss, tu crois que peut-être tu te parles en direct, mais je ne donne pas ton nom. Tu sais que c'est de toi que je parle. Tu ne veux pas dormir ici. La maison, si, c'est pour ma fille et moi. Tu as compris quoi? Jusqu'à ses 18 ans. L'autre qui va entrer ici, là, c'est mon petit White. Parce qu'eux, au moins, ils savent ménager les enfants. Vous, les gars, tu as commencé à venir voler sa nourriture. Tu as accepté ses pizzas, tu as volé ses pizzas. Tu as accepté son amour, tu as volé sa nourriture. Je ne veux pas dire à Dieu la nourriture pour l'enfant et deux personnes. Pardon. Je ne veux pas. Reste dans ton coin. Je reste dans ton coin. Le jour qu'on va se voir, on va se voir. La lionne. Le jour qu'on va se voir, quand elle vient à Paris, tu nous montres. Tu m'appelles. On va jouer. On se met à l'aise. Après, jamais vu. Je te vois avec ta mère, comme je te connais pas. Toi, tu me vois, toi, tu me connais pas. Parce que, en vrai, je dis, ben moi, je peux te dire, le gars aussi. Que je... Ben, il y a 10 mariés. J'ai 10. J'ai 10. Lui. Ils sont de la polygamie, moi je suis polygante. Alors encore bien qu'elle a dit qu'elle est polygante. J'accepte. J'accepte. Le général le moi, puis merci beaucoup. Donnez-moi un 5000 euros, 5000 euros, je n'ai pas, non. Regarde le point de haut. Merci mon général. Par exemple, n'oubliez pas que l'anniversaire, j'aurais besoin des cadeaux. Elle m'a dit, voyez la pizza de mon enfant. Merci mon général, merci. Elle m'a dit, voyez la pizza de mon enfant. Non. Pendant que moi, un CM de toi, je parle, je pointe quand même quelque chose. Les filles, on vous est devenus durs dans les réseaux sociaux. Hein. Ça vous avez même pas mon tir, vous faites les commentaires. Vous faites les commentaires. Une autre, mais elle, une autre ose venir qui dans mon direct. Que, une autre ose venir qui que. Ne partagez plus les photos de l'autre. Mouf, mouf, ton mari. Ne partagez plus. Mouf. C'est pas les gens qui m'ont retenu. Hein. Oh, ne partagez. Maman. Oh, c'est ton don. Tu as l'édition de deux personnes. Tu sors d'où dans l'histoire là? Tu veux que je te raconte l'histoire là en vrai dans Facebook? Le gars va me piquer ici, tchac. Moi je m'en fous, hein. Moi je suis célibataire. Et bien, vous raconter l'histoire. Quand vous aimez souvent chercher qu'on parle de vous. Et vous allez m'insulter, oh. Les gens vont faire les multiples directs, oh. Vous allez raconter, oh. Ça glisse sur moi comme une cuit. Les classes, les injures n'ont plus d'effet sur moi. Nous sommes en politique. Une blogueuse peut faire la politique. Nous sommes en politique. Quand on voit les hommes politiques, on insulte tous les jours, ça ne leur dit rien. Ils sont là. Donc moi, je suis devenu comme une femme politique. Bon, je suis là, ça glisse sur moi comme le gombo. Donc je peux parler de vous quand il veut. Vous pouvez dire que lui, elle a changé. Je dis que je peux me lever le matin, commence à raconter l'histoire comme pour l'attacher. J'ai décidé de laisser l'attacher parce que l'attacher est en couple. Je dis que laisse l'attacher parce que l'attacher m'avait pris la lâcheté. L'attacher m'avait pris la lâcheté. Que j'étais en couple et que je ne peux, peux pas bien m'exprimer. S'il revient. Si regarde là, si comme je suis placé là, on va faire du sale. On va vous servir du sale dans Meta. Je suis prête. On va vous servir du sale dans Meta. Pas le bac, pas du nom. Je dis que l'homme avec qui j'ai eu à sortir auparavant, si l'un de vous vous osez sortir, soulevez sur votre tête, je vais couper ça avec la machette. Vous voyez, fait l'année dernière, j'ai quand même parlé, j'ai quand même parlé de dire, je vous dis, les romans, je suis désolé, celui qui sort sur moi maintenant, même les secrets que j'ai jamais dit, ça va sortir sur Meta. Ils n'ont pas dit ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Je vais vous apprendre à respecter les femmes, car après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après l'amour, on doit respecter les femmes qu'on a sorti. Moi, je vous respecte autant que vous êtes. Ceux qui m'avaient même manqué le respect, encore sur Meta.
Je vais verser vos secrets dehors. Je vais verser tous vos secrets dehors. Parce que la tâche m'avait pris à l'acheter. Il m'avait pris à l'acheter. Tant encore de t'asseoir, tu peux me dire que tu fais des nouveaux, tu vas faire la. Ah, gars, on va faire du sale. On va faire du sale. Vous allez être que non, le dossier. On va faire, je dis, ça sera du sale, la saleté, il va mettre ça sur mon corps. On va se ouer la deux. Le gars qui va oser encore s'asseoir sur mes, un gars qui a sorti avec moi, s'asseoir sur mes, à parler de moi, me dénigrer. Il m'assoit sur vous. Autant que vous êtes. Parce qu'il n'y a pas une parmi qui n'est pas son secret. Quand une femme reste souvent tranquille, vous voyez, c'est parce qu'elle a peur. Non. C'est parce que mais quand tu as parlé, tu as dit avec un homme, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous mettre en spectacle. Parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. Mais parfois, certaines personnes prennent ça comme si c'était une faiblesse. Alors que parce que bon, non, j'avais pas laissé l'attention parce que j'étais en couple. Je voulais pas que certains secrets sortent. L'attention me tenait avec ça. Comme l'histoire était partie chez lui. Oui, quand je suis rentré des blogueuses, j'étais là. Moi, je suis rentré, je suis parti à chercher, aller chez l'attacheur. Hein. Ah oui, je vous le dis, les yeux dans les yeux, pour vous dire que le déo arrange le dedans. Quand tu vois les femmes qui sont dans les coupes ici, là, les ma, la lion, c'est comment, non? Quand tu vois les femmes dans les couples, elle disait fait 15 ans de mariage, elle disait fait 40 ans de mariage, c'est parce qu'elle était fidèle. Elle niaçait dehors. Il y a ceux qui niaçent dehors, point. Le dehors arrange le dedans. On vous appelle ça. Mais on ne me fait rien. Même les matins d'avant, les matins là, niaçaient dehors. Hein. Elle niaçait, elle tirait dehors. Hein. Vous amusez. vous me faites rire. Hein. Donc, le dehors arrange le dedans. Oui. Quand tu n'aimes plus le dedans, c'est le dehors qui va arranger ça. Mais quand tu parles de l'onde, tu es à l'aise, tu rentres dedans, tu souris. C'est ça. Donc la tâcheur, il avait dit quoi dans le direct de C, je ne sais pas dans le direct de qui. Il a dit que si vous racontez l'affaire des 16 000 vues, les 17 000 vues là. Si vous donne le secret des 17 000 vues. Merde. Je suis résolu après la reine de l'humain, la reine de l'humain, mais parce qu'elle était au courant que j'étais là-bas. Elle savait que j'étais là-bas. Si la reine de l'humain, tu vois, le gars avait tenu par le chantage. Il a dû me faire chanter. Flavie Magina, bonsoir. Merci la lionne, merci beaucoup. Il y a combien d'étoiles là? Les mélomanes pour me dire, je vais pas le monde. Pince, viens dans ma fille chérie. Elle est où la pince, pince? Je vais me mettre des étoiles, j'attends même 5000 pétoles avant de partir. Pas que je n'ai pas 5000 étoiles. Je vous raconte l'histoire. Donc, quand je suis rentré de blogueur d'état, je suis gauche chez l'attacheur. Oui. C'est lui qui m'a accompagné à l'aéroport. À chaque fois que je parle au Cameroun, c'est lui qui m'accompagne à l'aéroport. C'est pas le mensonge, c'est la vérité. J'ai quitté. Je dis qu'il faut traiter les hommes. Hein. Quand on me dit parler du cœur, maman, j'ai traité les gars là. Ouais, Kana Lolo. Tu dis que oui, avant de traiter d'elle. Parce que quand vous n'avez pas eu mourir, la baisse a failli, pas eu mourir étouffé dans ma maison à cause de l'infidélité. Quand j'ai touché le dehors, j'ai dit que je vais te montrer comment toucher le dehors là. Tu seras assis dans la maison, je vais te faire ça. Il fallait me voir. Mes gens, une femme soumise. Une femme soumise. J'ai découvert des choses. Ce jour-là, je tremblais comme un enfant comme ça. Ma vie était en danger. Même pas pardon. Même pas je m'excuse. J'étais là. Comme un enfant abandonné. Comme une fille qui n'a plus rien à porter, elle a dit, j'avais quel âge? J'étais en larmes tous les jours. Le jour que j'ai connu le dehors, j'ai dit que je vais vous montrer comment. Ce que vous faites là, ce que nous ressentons, je vais aussi vous montrer la même chose. Ah, mof, je suis devenu Donna Benja. Hein? La femme est très rancunière. L'homme oublie vite, mais la femme est très rancunière. La femme n'oublie jamais. Elle va toujours te rappeler que tu m'avais fait. Maman, j'avais deux accompagnateurs. Tu te déposes à la gare de Reims, l'autre porte à la gare de l'Est. Ça ne choque pas. Ça se passe comme ça. Oui. Et l'attaché m'accompagne à l'aéroport. D'accord, elle est là, je ne mens pas. D'accord, elle me voit sur l'aéroport avec l'attaché. Et qui? Est-ce qu'elle ment? Ouais, est-ce qu'elle ne veut pas que je mente? Tu as dit au revoir à deux maisons. Hein. C'est qu'est-ce que c'est ça? Oui. Et quand elle arrive au Cameroun,
J'ai trouvé un bon Yasser là-bas, je n'appelle plus l'attacheur. Je n'appelle plus. Ouais, maman, parlez pas moi, les gars, je vais rester seul, maman. Hey, maman, j'ai fait les choses. Quand je suis rentré bloqué, vous entendez le chantage que vous pouvez me faire les réseaux sociaux. Puisque les gens ont dit qu'ils m'ont acheté les vues. J'ai dit qu'elle arrête, mais tu entends ce que vous avez raconté. Mais si je parle, les gens m'ont dit que tu partais faire quoi chez lui. Mais là, il peut dire la vérité. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à parler. Parce que je suis rentré, la tâche, je suis arrivé chez lui, il m'a accueilli dans sa maison. J'ai dormi là-bas une semaine. Logé, nourri. J'ai mangé, j'étais à l'aise. On a mangé le bâton de maillot que j'ai ramené du Cameroun. Le bâton de maillot. Mais là, attention, mais il était mon coach. Et il a réussi à me coacher. Voilà pourquoi il dit que c'est grâce à lui que j'avais eu presque les 17 000 vues. Comme vous entendez l'histoire là. Voilà la vraie version. Donc quand le gars là dit, il va me trahir, la cache, c'est moi qui raconte la vérité. Parce que j'avais trop mis le suspect à tous les gens. Moi, j'allais venir dire la vérité à tout le monde que voilà ça. Est-ce qu'il y a quoi? Tu vois que j'avais peur de dire. Il y avait quoi? J'ai respecté la première qui était. Mais là, il peut dire, il a déjà une nouvelle vie. Il va seulement gérer que les femmes sont comme ça. Oui, parce que lui m'avait fait. Donc il n'est pas loupé. C'est tout. Donc, nya 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 you. C'est de ça qu'il s'agit. Avec les gars noirs là, quand il n'y a pas le respect, manque le respect, il n'a pas de nom. C'est qu'est-ce que c'est ça? C'est comme ça qu'il faut le faire. Oui. Je ne regrette pas. Trop de chantage. Alors la tâcheur, elle est devenue mon amie. Oh, yo, bon, je n'aime pas garder rancune à quelqu'un. Et ça ne me sert à rien, ça pèse en moi, je n'aime pas. Surtout une personne avec qui j'ai passé des très bons moments, je me dis, bon, il a été maladroit, il a dit des choses, mais c'est pas grave, la vie continue. Mais s'il m'a attaqué là maintenant, il va encore dire que, oh, les photos ont fait que, j'ai au moins 100 de ces photos. On va faire du style, au moins 100 de mes photos. On va partager nos poitou. On va partager nos bangalas dans le bêta. Ça sera le partage. Je me suis trop laissé piétiner. Trop. Et maintenant, c'est terminé. Tu viens mal. On fait du sale. C'est comme ça. Il reste combien de toits pour atteindre 5 millions? Ouais, je l'abîme un peu les nanas. Elles sont où donc? Ouais, la NASA, vous êtes où? Carole Bowen. Dis-moi, Carole Bowen, c'est ce qu'il y a à Paris, il y a notre Japon. Mon étoile de Luma, c'est vraiment l'étoile de Meta. Son étoile brille partout. Carole Bowen, vous donnez le reste, non? Ouais, Amelia, Ambert, s'il te plaît. Tu les hommes, c'est la reine, mais de Luma, vous êtes tous mes enfants. S'il te plaît. Tu ne peux pas être dans mon direct, tu manques de respect à Julien. Pardon. Je sais que tu me soutiens aussi, mais Julien, c'est la reine de l'Oumaya. Si tu as un problème avec Julien, tu me quittes en ligne, bon, tu vas arranger ça. Je ne veux pas que c'est quand même la reine mère de l'Oumaya. Quand on dit la reine mère d'une team, elle mérite le respect. La reine mère de l'Oumaya, on parlait d'elle étudie. Tu veux dire qu'il y a une femme qui m'a. Une femme qui m'a parlé de la reine mère de l'Oumaya, elle étudie. Elle m'a dit, comment va Julien zombie? Elle dit, va bien. Maman, la reine mère de l'Oumaya est telle. Maman, tous les Oumaya sont pas. Attends, on parle de vous partout. Hey, maman, c'est à cause de que la chose elle est jalouse d'elle. La fille qui avait dialogué au tambla, je n'ai même pas envie de parler son nom. Elle avait dialogué au tambla. Oui, au tambla barré. Elle a fait partir dans la même réunion avec lui. Là, que tu n'es pas mon style. Un jour, il a peur de pas, il me le parler. J'entends comme il est en train de dire que oui, elle a dit que lui, viens à la maison, je t'attends. J'ai rassuré. C'est moi qui ai dit qu'il appelle la fille, il a appelé devant moi. Il a mis le parler. Elle dit que oui, c'est la même chose, je t'attends. Alors, elle ne sait pas que j'étais à côté. Ça bondait comme ça. Et c'est elle qui est venue parler de la reine de l'Oumaya sur Facebook. N'importe quoi. Où est pas détruit son mariage? Son mariage, c'est depuis l'enfance. Son mariage, elle se connaît depuis la jeunesse. Ça fait au moins 16 ans de mariage. On ne détruit pas les couples comme ça. Parce qu'ils se connaissent déjà bien. Ils connaissent ce que sa femme peut faire. Sa femme connaît ce qu'il peut faire. Il reste combien d'étoiles, non? Il reste combien de temps, il ne veut pas faire le direct. Tu me mets des traiteurs. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime la baisse du ministre. Mouah. Justine. Madimoua. Je m'en vais. Hein. Ouais, mais quand voir le coup des étoiles est activé. Je viens de quoi le coup des étoiles est activé. Personne, il reste combien pour atteindre 5 000. Je venais pointer, mais je ne suis même pas trop motivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai la flemme. Je ne suis pas trop motivé.
J'ai seulement envie de commencer mes éditions, faire les japabines. Je sais pas ce qu'il y a envie, je sais pas ce qu'il va vous raconter, franchement. Je suis plus trop motivé. Restez, restez là, vous finirez avec clasher, donc pour éviter le clavier, t'agis pas. Viens vous raconter quoi. Il n'y a rien de bon dans Meta. Il n'y a rien de bon. Les clashs à répétition, tu as fait, tu avais baisé, tu as le mariage. Le groupe des étoiles est activé. Mettez-moi les étoiles, je parle. Il y a combien comme étoiles? Parce que l'écran l'a dérangé un peu. Il y a combien? T'es suivi, merci Amélia. Elles m'ont dit que c'est parce qu'elle est belle, mais quand même ça, mais que je suis belle. On dit qu'on a suspendu et ton fils. Ça met le tout et une bénédiction pour le Cameroun. Il reste président de l'Afrique à foutre de ses essentiels, bien sûr. Qui va l'enlever là-bas? Donc, on suspend le plan de votre fédération parce qu'il s'est offusqué la qualité d'arbitrage du match Cameroun-Brésil. Et les certains Toto Camerounais sont joyeux. Ça prouve combien il a l'amour pour son pays. Et nous tous avons décrit cet arbitrage, sauf qu'il paye parce qu'il est président de l'Afrique à foutre autre à certains Camerounais. Vraiment, vraiment, il faut arrêter. Et tôt, si était de non, là je suis pas d'accord avec vous. Hein. Même si on n'aime pas quelqu'un, il y a des choses. Il faut savoir faire la part des choses, les Camerounais. Il faut savoir faire la part des choses. Et tous sont Camerounais. Et tous sont Camerounais pour avoir les problèmes internes. Mais quand c'est à l'extérieur, que ça va y aller jusqu'au niveau de la FIFA, vous vous moquez parce qu'on a suspendu votre frère. On l'a suspendu pour quel but? Parce qu'il défendait la cause de l'équipe de notre pays. Vraiment. Moi je m'en vais, pardon. Je m'en vais, pardon. J'ai peur de venir clasher. Si là, j'ai pas envie de clasher, pardon. Moi je m'en vais, pardon. Le Cameroun là. Vous qui parlez souvent bagarre pour les histoires des Camerounais, moi, je ne peux jamais me mettre dans l'histoire des Camerounais, pas dedans, comme je faisais avant. Plus jamais. C'est quand même honteux. Parce qu'on l'a suspendu. On l'a suspendu. Nous avons tous vu le match là. Oui, le groupe des étoiles a activé ma fille. C'est activé le général de Lomaya, c'est activé. Il reste 2000 étoiles, on finit à 3000. Je te dis, il reste 2000 étoiles, on finit à 5000 étoiles. Ça me fait quand même 50 euros, j'ai quand même travaillé quelque chose aujourd'hui. Vraiment. Et ton fils est suspendu. Les Camerounais sont comme ça. Vraiment. Ils défendaient la cause de qui? Nos fils sont allés jouer au Brésil. Nous avons bien vu que l'arbitre a très mal arbitré. Il a avantagé le Brésil. Tout le monde a vu ça. Même l'aveugle a vu. Et ton revendique, et ton se plaint. Parce qu'il aime son pays. Il voulait que son pays gagne. Mais là, la FIFA suspend et ton. Vous, les Camerounais, vous êtes contents. Ya! 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 Cachez-vous même souvent. Je peux ne pas être d'accord avec toi quand ça concerne un peu interne du Cameroun qui concerne notre pays. Mais quand on va aller à l'extérieur, non, personne ne touche à ton fils. Nous tous, nous serons derrière lui. Nous tous, nous allons soutenir toi. Mais quand c'est vous encore, est-ce qu'il n'avait pas raison de dénoncer ce mauvais arbitrage? Il avait raison. Au lieu de soutenir notre frère, allez dans la page de Facebook de la FECAF, là, vous bombardez, vous pouvez commenter là-bas, vous venez plutôt être contre lui. Vraiment, Camerounais, changez. Hein. Changez. Je vais vous dire ici là que le problème du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Voilà, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui est le problème du Cameroun. Je vous le jure, même si on va mettre le président, n'importe quel président au Cameroun là, tant que les Camerounais ne changent pas les mentalités, le Cameroun va débrouiller comme cela. Ce qui est sûr, c'est ça. Allez me boycotter. Parce qu'on parle que vous allez boycotter, à boycotter moi. C'est quand même terrible. Il vous a tué qui? Il vous a fait quoi? C'est pas l'enfant de quelqu'un. C'est pas un Camerounais. Il va plaider votre cause à l'étranger. Vous venez être contre lui. Maintenant, il faut être bête pour réfléchir comme ça. Tout simplement parce que vous ne voulez pas voir l'Afrique à foutre. Il ira un jour. Ce n'est pas un ancien. C'est pas comme si c'était un royaume. Le jour, il va faire les élections, il va partir. Il peut encore avoir d'autres ambitions. Mais ce n'est pas pourtant que vous allez haïr l'enfant là jusqu'à même lui, il a raison, vous dites qu'il a tort. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne le déteste pas. Moi, je ne déteste pas Eto. Je peux ne pas être d'accord avec Eto, mais je ne peux pas détester Eto. Je sais ce que tu as fait pour le Cameroun. Il a hissé le drapeau du Cameroun dans le monde entier. Eto, on sait que c'est un patriote. On sait que c'est un gars qui adore son pays. Il aurait pu faire comme les autres. Vivre en Occident. Je répète ce sujet. Mais là, que non. Je m'avais rénové le football camerounais. Même s'il y a des problèmes entre eux, ils vont finir par trouver une solution. Mais c'est pas qu'il allait sérieux, il veut défendre la cause des Camerounais. Vous, Camerounais, vous êtes contre lui, vous êtes des sorciers. Moi, je ne peux jamais plaider pour vous. Oui. Je ne peux jamais, parce que le Camerounais ne peut pas plaider pour lui, sinon c'est dans le trou.
Et mon ministre dit qu'elle ne dénonce pas. On dénonce quoi? Il dénonce quoi? Quand on m'a arrêté là-bas, il serait seul. Vous n'étiez pas là pour nous boycotter pour la CAN. Vous nous avez boycotté ici pour la CAN, non? Pourquoi boycotter? Elle est vaca. Elles sont ceci. Il y a combien d'étoiles, non, maman? Il y a combien d'étoiles? Vous avez boycotté ici, non, pour la CAN. Elle qui est Fleur Chupinette, elle vient de moquer de moi. Même demi, tu pars. Fleur Chupinette, même demi, tu pars. J'ai envie de couper. Je m'attends que les étoiles arrivent 5000. Ils sont comme ça. Hein? Regardez-moi les sales. Une habite qui habite mal. Elle fait la combine, on voit. Il parle de vous les voit. Non, vraiment, vraiment. Oh, c'est terrible avec les Camerounais. Franchement, vous faites même honte à la fille. Vous faites honte. Je préfère vous laisser. Il y a combien d'étoiles? Je n'arrive pas à voir ces temps ici-là. Là, vous n'êtes pas, il y a combien d'étoiles déjà? Moi, je venais de travailler. Hein? Parce que moi, je travaille maintenant sur Meta. Je vais me parler sur Meta pour rien comme ça. Je cherche l'argent. Je cherche l'argent sur les réseaux sociaux. Je ne travaille plus comme ça. Voilà le goût des étoiles qui est activé. Il n'y a personne. C'est des frères que le commissaire devait être là 1000 personnes pour écouter comment il parlait des gens. Moi, je ne parle pas des gens. L'autre, il avait me dit que Delo Moulin m'a pleuré. Delo Moulin m'a pleuré. Je suis venu pleurer devant Facebook. Aïe. Vous les filles là, parfois vous me décevez. Tu pleures quoi? Quand tu es mal, ma chérie, tu m'as vu pleurer sur Meta. Quand tu es mal, va te cacher dans ta chambre. Tu pleures bien avant de venir lancer ton direct. Et si tu vas pas parler dans le direct, tu sens un peu comme si les pleurs. Tu coupes ton direct, tu parles, tu pleures, tu reviens. Ils vont prendre les larmes là, tu ne peux plus se moquer de toi avec. Ah, tu m'as vu sur TikTok. Je sais que tu es toi activé sur TikTok. Il y a aussi que. Non, donne-moi vraiment. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Dans ton live, ma fille. Tu sais, je t'ai dit. S'il y avait ton numéro, je t'aurais appelé. Parce que je n'ai pas envie de dire ça en public. Dans Meta là, c'est la politique. Dans Meta là, c'est la stratégie. Si tu n'es pas stratège, tout le monde va être contre toi. Si tu n'es pas stratège, tu vas te mettre tout le monde à dos. Et toi, tu viens de sortir du noir. Je ne sais pas si tu veux supporter le poids de tout le monde. Il faut être stratège. J'aurais pu des assistants en ligne avec toi. Mais si les gens ici là maintenant, la tête à vous va récupérer ça. Donc je ne veux pas qu'ils se. Je peux faire garder ça pour moi, mais je te dis seulement un conseil. Que dans le clash, il faut être stratège. Il faut être stratège. Si tu n'es pas stratège, ça sera dangereux. Tu vois, non? Il faut être stratège. Si avec ton numéro de téléphone, je t'aurais dit ça même, même via WhatsApp. Parce que je te comprends quelque part. Hein. Tu as soutenu une personne. Mais dis-toi que c'est la vie, ma chérie. C'est la vie. C'est pas à tout le monde qu'on fait du bien. C'est pas cela qui nous remet toujours le bien qu'on le fait. C'est pas venir d'une autre personne. Les Ivoiriens disent que le mal est qui nous a été plus bien que pour Davido. Est-ce que c'est vrai? J'ai d'abord vu le mal et Davido. Le mal et Davido, on parle seulement pidgin là. Le mal est qui nous a été plus bien que pour Davido. Mais ils sont ici, ça ne va pas là. Non. Bon, je sais pas. Moi, j'ai juste aimé le mal et qui nous a été un très beau mariage. Ta robe, mon étoile, enlève-moi la honte ici, la même fois ça fait 5000 étoiles, je pars. C'est toi que j'attendais ici, là. Mon étoile, pardon, mais, même fois ça fait 5000 étoiles, j'ai pas envie de rester là. Je vais pas bloquer ma part, vous savez comment ma robe est belle. La robe est des stars. Oh, je suis belle, maman. Quand tu vois les filles, là-bas, elles sont jalouses de moi jusqu'à. Elles sont jalouses, elles me sabotent. Les filles sabotent moi, hein. Les coupés de l'eau ont envahi Meta. De l'eau n'a pas compris. En tout cas, c'est parce que je n'ai pas son contact. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé un message. Caro, bohème, mon étoile, l'étoile est de l'Omania, l'étoile est de l'eau. Je suis ta grand-mère, non. Enlève la honte à ta grand-mère, je pars. J'ai envie de partir, j'ai faim, j'ai envie de manger, j'ai faim. Je demande, on savait ça comme ça. On m'a dit que vous faites le régime, tu dois boire des soupes. J'ai commencé avec les soupes. Tu dois boire des soupes. Je ne veux plus trop manger parce que. J'ai pris un poids qui n'a pas de nom.
Donc je commence avec les sous. La reine mère de Loma, tu étais où? En tout cas, tous les Loma soutenons sa mère et tout. Allez sur la page de la FIFA, là, vous le lavez là-bas pour être. Mais de l'habitude, là, c'était mauvais. Elle a mal habité, elle avait la combine, elle a raison. Et toi, aujourd'hui, tu étais après les mêmes. Vive la FIFA, vive le ministre des Sports, vive le Cameroun. L'union fait la force. L'autre est fini, l'autre s'entend. C'est quoi? Avec le titre de la FIFA, là. Vous voyez comment les blancs sont hypocrites. Il fait souvent semblant d'être avec toi. Le président de la FIFA, là. Alors que Paris est capable de dire ça, cela. Oui, lui a même vu la faux, la tricherie. Le Watin. Man. C'est bon, un blanc ici, ouais, pièce. Ouais, pisse, pisse, mets-moi alors, non. Caro, ben, tu es où, non, man? Il reste combien d'étoiles? Non, elle ne va pas comprendre, elle n'appelle pas. Elle enregistre les gens. C'est marié, ça fait quoi? Il a encore peur du classe dans le métal, man. Ouais, je dis, hein. J'ai avec combien d'étoiles, man? Je suis venu travailler, hein. Je suis venu ici pour travailler. Je ne travaille plus, je ne fais plus les directs pour rien sur Meta. Je n'ai pas la motivation, je dois avoir au moins mes étoiles. Je suis là pour bosser. D'accord? I am the work. Ouh, maman! Caro, vraiment, il reste 1600 étoiles. I am the work. Maman, je suis encore devenu Nyanga jusqu'à. Le petit là, il me dit. Mon petit Watt, il me dit, écoute chérie, j'ai dit oui mon cœur, qu'est-ce que tu dis? Il dit, je vous raconte l'histoire, il me dit, oui mon cœur, qu'est-ce que tu dis bébé? Et il me dit, chérie, j'aime te voir comme tu es. Hein. Parce que quand il m'a appelé que je vais t'acheter ça, pour que je commence au régime, il me dit, non, je veux pas te voir, mec, tu es bien comme ça. J'aime tes petites fesses, j'aime tes gros seins. J'ai dit, après, il dit, oui, je suis amoureux, j'ai envie de t'épouser. Maman. Je dis, mais tu as 36 ans, je suis ta grande sœur de Louis. Il dit, mais ça, l'amour n'a pas d'âge, je t'aime mon cœur. Je t'aime bébé. Je dis, ah bon? Il me dit, mets la caméra, il veut te voir, maman, il n'avait pas la perruque. Je n'avais pas la perruque, mais j'ai dit que non, chérie, attends. Je n'avais pas la perruque. Ok, je mets la vidéo. Maman, elle m'a mis la perruque, il me dit, qu'est-ce que tu faisais? Je dis, non, je mettais la perruque. Il me dit, non, je veux te voir sans perruque. Aïe. Ouais! Il me dit non, je vais te voir sans perruque, mon cœur. Je dis ah bon? Maman, c'est marrant. Ouais, le Watt, quand le Watt aime, le Watt aveugle, voilà. Il dit, mais tu es tout belle comme ça, il dit ya! Ouais, Nolo! Il dit, tu es tout belle, bébé, il dit ah bon, mon cœur. Il dit, je te parle. Belle, je l'ai moi. J'ai dit, ah, il dit, oui, bébé, je t'aime, je veux t'épouser. On va quand au Cameroun, je l'amène au Cameroun, ma. On va quand au Cameroun, je dis, l'année prochaine. Il dit, oui, parce que j'ai envie de voir tes parents. Je dis, mes parents sont décédés. Il dit, oh non, non, non. Merci, les quotas du Japon. Je te dis, le blanc, il a mouru jusqu'à. Qu'est-ce que ça veut dire, mes gars, c'est moi dans les yeux, comme il a les yeux bleus. Il me dit, chérie, tu as les beaux yeux. Tu as un regard revolver. Et là, les yeux revolver. Je sais que Vombo est où depuis. Vombo, tu es où? Ha! Flon Mumba est où? T'as été accusé, c'est quoi avec vous? Ah, c'est grave, je suis dépassé. Vombo est même parti depuis. Hein? Et là, les yeux revolver. Le Wadline, je l'ai croisé comme ça. Maman, on s'est regardé dans les yeux, ma. Et. Moi, mais j'ai encore regardé le Wadman, j'ai dit que Seigneur, mon cœur bat, je n'ai jamais aimé le Wadman, mais comment je. Pourquoi mon cœur bat comme ça là? J'ai dit, mon Dieu. Il me regarde, et il y a des façons de me regarder, hein. Même quand j'ai bavard, il me regarde déjà là. Il est attentif, quoi. Il est attentif, je l'appelle pourquoi? Mais t'as. Ouais, Caro, c'est quand même moi les étoiles, j'ai pas, non. Il me regarde, quand je parle, hein. Surtout quand je suis au restaurant, il mange. Après, il me regarde, il m'écoute, il me dit. J'ai dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il me dit, parce que je suis amour. Ouais,
Ouais, parce que je suis amoureux. Nancy, beauté, l'homme. Bonsoir, Nancy. Comment tu vas, Nancy? Il me dit parce que je suis amoureux. Ok. Le voilà, j'ai envie de montrer le voilà sur Facebook, mais j'ai peur. Quand une gars va aller chercher, jusqu'à on va trouver le voilà de Trima. Hey, j'aime le voilà jusqu'à. Aïe. Je l'ai rencontré, ça fait pas longtemps hein, qu'on s'est rencontré. Bon. Pas longtemps. Dès que vous ne pas en vacances, je m'en vais là-bas. Je m'en vais rester 2 semaines. Vous n'allez pas me voir. Avec mon loulou, mon bébé, mon... Oh non, pardon. Je l'aime jusqu'à. Et maintenant, le gars camerounais qui est dans mon live, là, que tu regardes, là, ne pleure pas. Hein. Pas ma force, je ne peux pas montrer ma... Hey! Mon devant derrière. Ne monte pas loin, là. Bon, madame, bonsoir, bon, je m'en vais. Je n'ai plus rien à vous dire, je voulais vous raconter une histoire, pour perdre un peu, autant que je crois que les étoiles vont arriver, les étoiles arrivent, enfin, il fait quoi là? Moi, je travaille, je ne veux plus venir sur mes temps, bavarder pour rien, je travaille sur mes temps. Hein. Ah ouais, je travaille. Je travaille sur mes temps pour me faire belle, quoi. Vous connaissez combien coûte cette perruque là? Vous connaissez le prix de la perruque ici? Hein? La perruque, c'est juste, c'est les perruques de Michel Apega, ça ne s'attache pas. Vous connaissez ça coûte? Hein? Mon chapeau là, c'est un vieux chapeau, là, j'étais à Cannes, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans comme ça. Hein? Ma robe aussi, on sait combien cette robe coûte. Hein? Tu m'as dit que je me fais belle, je me pomponne pour vous. Je vais vous mettre par les étoiles. Non, je ne veux pas travailler pour que je suis employé dans un bébé. Je ne veux pas de la mendicité. Vous avez le droit de me donner ça. C'est mon salaire mensuel. Oui, Zougan me paye. Vous aussi, vous donnez pour vous. Vous allez venir m'asseoir comme ça. Tu vas passer à la Fashion Week dimanche. Ah bon? Quelle Fashion Week? Fashion Week, c'est quand? La télévision commence dimanche, t'attends le TV dimanche à partir de 19h. Donc restez connectés, partagez, c'est mal. Et n'oubliez pas que ma page est restreinte, les Lomaniens. Ouais, même les sympathisants. Quand la page est restreinte comme ça, réagissez, partagez, faites des commentaires. Même si vous mettez seulement les cœurs, ça va aider la page. Ouais, dis donc. Ah, tu verras fatigué de me répéter, pardon. Mais ton laisse ça venir seul. Je suis fatigué. T'attends le danse, je te faute. Le printemps, maman, les conditions de ça. Maman, et que, maman, regarde le point, les conditions de ça. C'est dans ce quoi alors? Et beau comme toi. Hein? Toi, tu es beau comme toi. T'attends le dans, tu vas voir comment je suis habillé. Regarde le point, si je connais hein, comment tu fonctionnes. Maman, oh, ils vont se moquer de ma robe. Oh. Et beau comme toi, et beau comme toi, et beau comme toi. Attends, mets la musique. Hein. Mais t'as alors, c'est le bon président, moi, pas. Hein. Non, je suis fatigué, j'ai envie d'aller me coucher, je suis fatigué. Nanani, nanani, maman, c'est au longue. Regarde le poil, il est un petit pays, on va mettre petit pays. Jamais je n'ai pas d'or. Hey, car on peut dire que j'enlève ma poubelle. Attends un peu. Que j'enlève quoi ma poubelle? J'enlève ma poubelle. Alors, enlève ta poubelle. Rachel a parlé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.